Bonjour tout le monde, salut, désolé du retard, on est un peu à la bourre. J'avais quelques réglages à faire avant de commencer et ça m'a mis un peu dans le patras. Comment ça va? On va se retrouver sur Shogun 2 donc, et comme dit dans le titre, on va lancer une nouvelle campagne. La campagne qu'on avait fait sur Call of Samurai était un peu... Bah, on allait droit au désastre, on n'avait plus d'économie, on ne savait même pas pourquoi on n'avait plus d'économie, d'un coup. Et on se faisait attaquer de toutes parts, bon, on allait juste résister comme des dingues pour finalement, en plus, une campagne qui était ingagnable. On va dire bonjour à YouTube. Coucou YouTube, on se retrouve sur Total War Shogun 2 en Vanilla, et on va choisir qui on va... qui on va représenter lors de cette campagne. Donc le principe de Shogun 2, c'est que... Mais je crois que la cinématique le dit, donc je vais laisser la cinématique la raconter. On va choisir. Moi j'ai tendance à prendre cela. Cela parce que coût et entretien des... réduit pour toute l'infanterie d'archers. Ça fait plaisir. Augmentation du revenu. Bon, c'est simple, hein, il est facile et je pense qu'on va partir là-dessus. Campagne courte terminée. Il faut conserver 25 provinces, y compris les suivantes. Ok. Pas de mode réaliste. Difficulté difficile. Les options, non. Recherche permanente, non. Aide du conseiller, aucun. Ça me va très bien. Et on est parti. Si on fait campagne longue, campagne de nomination, c'est 60. Campagne longue. Ouais, en fait c'est dommage parce que j'aimerais bien faire des longues campagnes de domination et tout, mais il y a tellement ce... En fait comme il y a une deadline, on va dire, c'est pas... ça m'arrange pas. Bon, après on peut continuer après avoir gagné la campagne. Et on est parti. Ah mais attendez, depuis tout à l'heure. Ya, j'avais pas l'écran de jeu, je suis désolé. Ah, je suis dans le speed et je fais n'importe quoi. Et le jeu qui ne s'affiche pas pour moi. Bon, s'il est pour vous. On va jouer sur le retour de stream. Ça doit être le temps du chargement, les vieux jeux, ils faisaient ça des fois. ...1545, en plein Sengoku Jidai, l'âge du pays en guerre. Pendant 200 ans, les shoguns Ashikaga ont régné depuis Kyoto. Une splendeur incomparable, et la puissance leur appartenait. Désormais, les clans puissants n'obéissent plus. Il est temps qu'un nouveau seigneur de guerre devienne shogun. Mais qui sortira victorieux? Les terres des Shozokabe ont toujours subvenu à notre peuple. Nos ennemis sont nombreux et envieux. Ils menacent nos frontières, guettant la moindre faiblesse. Ceci est notre terre. Nous la respectons. Nos fermiers travaillent dur et ce sont les meilleurs moissonneurs. Cependant, nous sommes aussi des maîtres guerriers. Nos archers sont admirés de tous. Aucune flèche ne vole plus droit qu'une flèche Shosokabe. Ishamonten, le dieu de la guerre, s'est réveillé. L'heure est venue d'éliminer nos ennemis. Ils s'inclineront tous devant le clan Shosokabe. N'attendons plus. Le destin nous appelle.
Ah, il nous chauffe carrément. Hein. Jusqu'à ces derniers temps, notre province natale de Tosa était sous le contrôle du clan Ichiro. Nous sommes leurs vassaux. La popularité en déclin des Ichiro à travers la province, ainsi que notre influence croissante, nous a offert l'opportunité de reconquérir nos terres. À présent, nous n'avons plus qu'à écraser ce qu'il reste de la résistance des Ichiro. Une fois que cela sera fait, rien n'arrêtera notre conquête de Shikoku. On est parti. Alors, soulèvement Shokosabe. Shosokabe. Le mec n'arrête pas de le répéter depuis 5 minutes, mais moi j'arrive à le lire. Le clan Ichiro a été chassé de la province de Tosa. Néanmoins, une poche de résistance persiste au nord-ouest. Nous devons anéantir les survivants Ichiro et nous débarrasser de nos anciens maîtres une bonne fois pour tout. Écraser la rébellion de Tosa et plus 25% pendant 4 tours. Pour que notre daimyo devienne shogun, le chef militaire de tout le Japon, nous devons éliminer le shogunat actuel, le clan Ashikaga, en capturant la capitale de Kyoto pendant 4 saisons. Si nous y parvenons, l'empereur déclarera le chef de notre clan comme étant le nouveau shogun. Nous pouvons tenter d'obtenir le shogunat à tout moment, bien que celui qui soit actuellement en place risque de nous attaquer de manière préventive si nous devenons trop puissants. La guerre contre le shogun, pour quelque raison que ce soit, entraînera les autres clans à nous déclarer la guerre afin de maintenir le statu quo. Je peux pas recruter déjà de navires, il faut que j'augmente le... On va y aller. Comme ça. Alors, il me reste 200. Qu'est-ce que je peux recruter? Ah oui, alors je vais peut-être pas... construire le port tout de suite. On peut recruter des samouraïs. Un samouraï et... Qu'est-ce qu'on a dans notre troupes? C'est ça en fait qu'on va faire. On a déjà deux... trois unités de tir. De corps à corps, donc on va faire des unités de tir. Notre général Daimyo va venir ici. Et on va aller écraser cette petite rébellion, effectivement. Cavalerie légère, je crois que c'est assez fort. Vu qu'ils ont des lances, c'est fort contre la cavalerie. Alors, je suis plus, pas du tout un spécialiste. Le cheval qui est en détresse, hein, clairement. Bon, lui aussi, vu la tache de sang qu'il a, mais... Voilà, tronche du cheval, qu'on va avoir à chaque chargement, je pense, en plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je suis pas du tout un spécialiste de ce shogun-là. J'ai beaucoup plus joué à Fall of Samurai. Donc on va être un peu fébrile sur surtout le choix des unités. Je sais pas quelles sont les unités qui sont les plus fortes. Alors attention, hein, on n'est pas non plus à la ramasse tant que ça. On sait que les katanas c'est plus fort que les lancers c'est fort contre les chevaux et les flèches c'est fort à distance. Mais pas au corps à corps, même pour les samouraïs. Même si un samouraï archer peut se défendre correctement. Comparé à un... je sais plus comment il s'appelle, on va voir. C'est quoi leur nom? À un Ashigaru. Ashigaru, c'est... j'ai l'impression que c'est un peu des... Pas des unités enrôlées, mais... C'est, voilà, c'est l'infanterie de base. Très fort, ça. Mur de Yari. Faut pas négliger les Yari pour ça. J'avais vu une vidéo qui en parlait. Qu'est-ce qu'on a alors? Ici, nous avons une unité d'archer. Ashigaru Yari et la cavalerie légère. Donc, l'idée, ça va être... Euh,
d'arriver dans le dos des archers avec cette ces unités-là, avec leur petit sac de paille. Je crois que c'est pour éviter qu'ils se prennent des flèches. Je sais pas. Ou c'est juste pour faire beau. Aucune idée, si quelqu'un le sait. Pendant que nous nous prenons des pétales de rose, enfin de rose, de cerisier. Des pétales roses de cerisier. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fronte comme ça. Et eux, on va les mettre devant au début, mais... Allez, c'est parti. Alors, comment ils s'organisent? Ils attaquent? Direct, comme ça? Mais ils ont perdu leur cavalerie, ils sont trop... Ah quand même, ah oui, 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 j'ai mal intercepté la charge. Mais bon. À la preuve que la cavalerie fait bien mal dans celui-là, hein. Bien plus que dans la fin des samouraïs. On peut repasser par là. Hein. Hop, écartez-vous. Hop, on va les titiller un peu. Faites pas du tout. Nos unités cachées ont été découvertes, monseigneur. Oui. Non, non, c'est pareil, il faut aller. Hop, on va encourager cette... Comme ça, ils vont bien prendre le dessus sur eux. Ici... Ils sont complètement paumés. Vous les écartez. Et vous, maintenant, vous allez me les choper. J'ai un doute. On va faire continuer pour bien finir l'armée. Allez-y, chargez. Et j'ai envie de voir si déjà, eux, est-ce qu'ils perdent des unités dans le combat. Non, ils n'ont pas l'air de perdre d'unités, donc ils font que fuir, hein. Ils font même pas... C'est juste qu'ils se prennent des coups. Parfait. Parfait, parfait, parfait. C'était des trucs que je voulais vérifier. Des fois, j'avais l'impression qu'ils se prenaient... Sur une autre partie, j'avais eu l'impression qu'ils se prenaient des dégâts. Enfin, c'est pas dit que c'est... Ça se fait pas. Mais en tout cas, pour l'instant, on va partir de ce postulat.
J'espère que c'est ok niveau son vidéo et niveau son vocal. Je les ai pas détruits, hein. Putain, là. Ah, c'est bon. Allez. Général qui augmente de rang, c'est parfait. Oh. Ah. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Ouais. Ben, on va partir là-dessus. La portée de déplacement, c'est quand même ce qu'il faut privilégier. Et notre premier tour... Ah oui, alors non. La diplomatie. Lui veut bien. Et lui nous déteste. On est d'ailleurs en guerre. Très bien. Ensuite, maîtrise des arts. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je crois que c'est ça. On va rush le marché. Ouais, parce que le marché fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pognon. Et bah écoutez, je crois que c'est tout. Gestion du clan. Je peux pas encore. Il a quel âge? 6 ans? 20 ans. On peut faire un mariage pour augmenter un de ces quatre nos relations. Enfin, pour mettre plus de poids dans notre diplomatie. Oh! Déjà? Le mec perd pas de temps, hein, clairement. Idéal pour affaiblir l'ennemi avant la bataille. Ouais, c'est vrai qu'on a une petite cinématique à chaque fois qu'on sort. Mais subiront de lourdes pertes au corps à corps. Voilà, c'est ça. Ils nous font une petite bio du personnage à chaque fois, histoire qu'on comprenne. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, la voix de l'archer. C'est quoi la voix de l'archer? La voix de l'archer. C'est où? Ah, la voix de l'archer, je l'ai vu. Ah oui, c'est loin. On va finir ça déjà. Et après, on ira faire la voix de l'archer. De toute façon, c'est des trucs qu'il nous faut. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Un beau général avec une soupière sur la tête. Hop. Et nous, on va se réfugier dans notre petit fort, au calme. Là, ça nous fera 1, 2, 3. On va prendre un autre archer. Construction. On augmente le port. Et nous n'avons plus d'argent. Et c'est parti. Et bien sûr, il s'en va. C'était évident. Les guerres déclarées. Bah, écoute. Ok. Je sais même pas qui t'es. Ah, c'est toi? Ah oui, d'accord. Les archers samouraïs sont des guerriers puissants. Ils peuvent se défendre en combat rapproché et tirent des flèches enflammées sur l'ennemi. Tirs enflammés si on a débloqué la technologie, hein, parce que sinon ils savent pas allumer des flèches. Hein. Oui, bah ça j'avais compris que c'était... que l'accord a été rompu vu qu'il vient de me déclarer la guerre. Je pense pas que ça soit le poteau, quoi. Faut voir ce qu'il a comme armée. Il a une bonne petite armée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on... Alors, on est en automne. Hein. On va se mettre... Là, je peux... Là, je suis en... Ouais, là, je suis caché. Recrutement. Tac. Et tac. On va se prendre une unité en plus de soldats. Et après, je pense que notre armée, elle sera correcte. Là, on est à 887 de revenus, mais on va augmenter le revenu grâce à ça, et ça coûte que 79 ou 74, donc c'est bon. Let's go! Après, on économisera un peu pour augmenter la ville. Garouyari offrent une excellente défense contre les charges de cavalerie ennemie, mais leur formation serrée les rend vulnérables à l'artillerie et aux unités d'infanterie expérimentées.
Hop, vas-y. Alors là, si on y va en plein hiver, est-ce qu'on a la portée? Le problème, c'est que j'ai plus la vision sur leur armée. Ah, attendez, on va essayer de voir. Non, j'ai pas la portée. Donc, on va s'avancer ici. On existe. Et bah voilà, parfait, 1600. On passe de une consommation. Ah oui, alors, un truc par rapport à l'autre Total War qu'on avait fait. On a ce qu'on appelle des surplus alimentaires. Les surplus alimentaires sont générés par des fermes ici. Voilà. Donc là, cette ferme me donne deux surplus alimentaires. Pour chaque ville consomme un surplus alimentaire de base. Vraiment, la ville de base, elle consomme un surplus alimentaire. Là, si je veux augmenter ma ville, donc débloquer ce nouvel emplacement de construction, il faut que j'augmente ma ville et que du coup, elle va me consommer un surplus alimentaire de plus. Alors, si on faisait que des villes, normalement, ça s'équilibre plutôt bien. Normalement, l'irrigation suit la ville. Le truc, c'est qu'il y a des bâtiments qui coûtent du surplus alimentaire. Voire beaucoup. C'est les bâtiments qui rapportent le plus d'argent, je crois. Pour mon souvenir. Et c'est à partir de là où il faut jongler, où il y aura des villes, par exemple, qui vont pas être très très évoluées. Ou après, peut-être qu'il y a des trucs... Comme j'ai dit, hein, je suis pas un expert dans le jeu, mais peut-être qu'il y a d'autres trucs qui rapportent des surplus alimentaires. Mais voilà, c'est très important. Sans surplus alimentaire, clairement, c'est la rébellion. Faut faire hyper gaffe d'en avoir assez en stock. Bon là on va jouer en flux tendu, on a qu'une seule province, donc forcément... genre si on perd la province, on est dans la merde, quoi qu'il en soit. Mais il faut faire attention parce que, par exemple, si on perd une province qui nous faisait beaucoup de surplus alimentaire, et qui en consommait pas beaucoup, bah tout de suite c'est la merde, parce que... tout simplement... attendez, je construis. Parce qu'on va se retrouver avec beaucoup moins de surplus qu'il nous faut. Hop, on va se mettre là. Ah oui, parfait. Il est rentré. Il a quoi comme armée? Et du coup, ensuite, on se retrouve avec des rébellions un peu partout parce que tout de suite, ça, tout le monde n'est pas content. Tout de suite, ça met un malus de dingue sur toute la faction. J'espère qu'il va pas débarquer, mais s'il débarque, j'ai le temps de... Lui, le temps qu'il vienne, moi, j'ai le temps de revenir. Je pense. Parce que là, il a de la forêt à passer et tout. Là, il pourrait débarquer par la mer. Alors, on va agresser ceci. Alors, qu'est-ce que nous avons? Des vassaux samouraïs, ça c'est spécial unité de défense. Très fort au corps à corps, hein, mais ils sont pas beaucoup. Deux généraux, et ça, bon, on va se débrouiller, mais je pense que ça devrait bien se passer. Normalement, c'est un petit bastion à un seul étage. Hein. Oui, voilà. Ici que tout va se décider pour savoir si la campagne se passe bien au début ou si c'est un peu la merde. Allez, on va laisser le petit speech de notre général. Itewa, Yumiya o iru mae ni kokoro o mu ni suru. Jikkuri matte, kokodo toyu shunkan ni ya o hanatsu. Ware ra wa masa ni オートの様が放たれた矢そのものだ。敵にとってはここが正念場。しくじれば歴史にも残らん。いつの日か歌人が悲しい歌にして読んでくれることであろう。
敢な侍どもだ。あの者どもを滅ぼすとなると心が痛むが、これも運命のなせる技。仕方なかろう。命令はただ一つ。この城を落とすことじゃ。たやすいとは思わぬが、必ずできるはずじゃ。主君のためにお主らは死力を尽くして戦うであろう。お主らの献身にかなう者はおらん。誇らしい家臣であるぞ。Vu que le seigneur c'est le seul à pas avoir de sec, peut-être que ça servait à protéger le seigneur. Tac. Alors, on se retrouve pour l'assaut. Bien sûr, on ne va pas attaquer par là. On va sûrement attaquer par là. Ah, ils sont énervants à me bloquer. Non mais... Toi tu retournes dans le groupe 1 en fait. Voilà, là par contre on va... Il va y avoir du samouraï, il va y avoir des archers donc ça va... Les plus de flèches ça va y aller. Hein. Alors... Oui, du coup, peut-être que en fait, les sacs servaient à protéger le général. Comme ça, il pouvait moins recevoir de flèches, peut-être. En mode, vraiment, on est maxi fat, et du coup, et peut-être protéger aussi le flanc de leur cheval. Bon, après, les flèches sur les chevaux, hein, c'est radical. Hein. Là, vous allez voir. Pas trop près, s'il vous plaît. On s'écarte. On fait une formation bien écartée. Vous allez me foutre le feu à ça. Et vous allez me foutre le feu à ça. Hop. On accélère un bon coup. Et on va tirer direct dans les généraux, hein. On va même pas s'occuper d'eux. Ah, mon Wizbot qui est pas terrible. Je l'ai fait ce matin et... Alors, vu qu'ils ils sont barrés... On va lancer la première salve. Hop, ouais, ça fait quand même. Ils savent tirer quand même. Hein. Foutez-moi le feu à ça. Hop, et maintenant, à l'assaut. Ça y est, allez-y. Montez. Hop, on va essayer de les shoot, ceux-là, de les avoir. Oh, il y a quoi que, il y a les généraux ici. Non, c'est sur eux. Maintenant qu'il n'y a plus d'archers, on va avancer ceux-là. Ça, c'est pas les miens, hein. Et ils sont où les autres là? Ouais, et ceux-là là, ils sont où? Ah, ils sont en train de monter par là!
Non. Oh là là, c'est pas ça que je voulais faire. Notre général court un grave danger, monseigneur. Remontez sur vos chevaux. Hop. Ouais, non, ils vont lâcher. C'est bon. Hop. Oh là là, là. Vite, tiens-moi ça dessus. Ils sont pas en mode escarmouche quand même. Voilà. Faut s'écarter avant qu'ils nous attrapent. Monseigneur, leur général a été tué. Ils ne s'en remettront pas. Parfait. Peut-être les courir un peu là. Allez là, plus vite. Ah bah évidemment, si vous faites choper comme ça. Alors là c'est compliqué parce que là ils sont tous en mode on ne lâchera pas. Montez donc là. Je pense qu'une bonne charge de flanc ça fait toujours du bien. C'est pas grave, hein, si on perd des soldats, on va les refaire, c'est... Ce qu'on veut, c'est surtout la ville et supprimer une menace, quoi. Oula, alors attends, parce que eux, là, les archers vont y aller à cœur joie, ils vont flinguer mes généraux. Vous, vous mettez bien de flanc. Et là, vous pouvez y aller. Et pack. Merci. C'est gagné. Oui, victoire de justesse en même temps, là. C'était pas facile, hein. Enfin, c'était pas facile. L'équilibre des forces, c'était plutôt beau, hein. Si on considère que nous, on devait monter les murailles et tout ça. J'ai perdu une unité. C'est pas grave. Alors c'est quoi l'appel aux armes? C'est ça. Plus un de recrutement... Ah oui, non, en fait c'est qu'on peut recruter une unité de plus. Hop, et on n'a pas de pognon. Alors qu'est-ce qu'on peut construire? On peut construire ça, c'est une taverne, ça permet de générer des richesses et surtout du bonheur. Le terrain d'exercice, c'est du recrutement. C'est quoi ici? Irrigation améliorée. Il n'y a rien de spécial.
École du sabre. Recrutement. Recrutement. Le campement, c'est ce qui permet d'avoir des petits bonus par rapport au recrutement, mais surtout de pouvoir avoir des unités qui sont plus précises, plus résistantes, qui savent, qui ont une meilleure chance de toucher. C'est ça, le marché, qui permet de rapporter beaucoup d'argent. Recrutement, et ça, c'est recrutement, et ça permet de savoir vers quoi vous voulez... vous tournez comme religion, c'est on a le bouddhisme et le christianisme, je crois, et peut-être autre chose, mais en tout cas, moi, je suis bouddhiste. C'est ça. Hop. Je peux pas changer. Normalement, il y a quelque part où je peux dire je change. Annuler la mission, c'est pas ça que je veux faire. Non. Donc, on en est là. On va sûrement pas construire ça parce qu'on en a pas besoin. Par contre, on va peut-être recruter un nouvel, deux nouvelles unités et maintenant on sera assez fort. Et on est parti. Et au prochain tour, on pourra sûrement construire. Je pense qu'on va construire une auberge pour faire un ninja et de l'argent et des follow, j'allais dire. Et du bonheur ninja et de l'argent. Mais surtout du bonheur, hein, c'est ça qui nous intéresse. Hop. Voilà, ici il y a deux petits Yari qui attendent le passage de mon général. Que vous voyez, ils peuvent aller jusque là. Donc quand mon général sera ici, hop, ils viendront l'intercepter. Enfin, l'intercepter, le rejoindre. Pour l'instant, on va pas faire de navire. À quoi ça sert, ça? C'est juste des ressources à échanger. Et bah, pour l'instant, on va rester là, le temps que l'opinion publique se tasse. Ah, les voilà. Ah, en deux tours, pas du tout. Hein. Par contre, du coup... Non, je l'ai pas eu. On va pas dépenser d'argent là-dedans. Hop. Là, bien sûr, ils sont tristes, mais on va... réduire à peine hein. Et comme mon armée est là, en fait, on va investir là dedans c'est ça. Donc là, on va essayer de faire une économie stable pour avoir bien sûr une armée plus imposante. Donc là, l'objectif, c'est de capturer l'île, cette île-là. Là. Alors, ne me demandez pas comment elle s'appelle. Donc, nous avons ce bastion et ce bastion. Donc, trois bastions. Ensuite, à partir de là, on ira chercher quelqu'un, un mec qui se trouve par là. Peut-être on ira traîner par ici. Je ne sais pas. Non, je pense que le mieux, c'est de sécuriser la baie ici pour qu'il n'y ait pas de bateaux qui viennent juste attaquer et que s'ils veulent m'attaquer, il faut qu'ils rentrent dans ma baie. Combien de tours? 4 tours. Et ben voilà, pendant 4 tours, on va se... build notre... Ah, quoique. Bah non, on peut pas. Hein. Si, on peut attendre les 1800, mais... c'est pas... Là, ils sont contents. Et si je fais ça, ils sont pas contents. Ah, par contre, ça me rapporte beaucoup d'argent, hein, quand même. Qu'ils soient pas contents. Ici, il y a une armée qui traîne. Je sais pas si elle est retournée vers elle. Ah, mais si, on peut faire ça. Recrutement. Un ninja. Là où les ténèbres rencontrent les ombres, résident les ninjas. Saboteurs et assassins. Heureux de suivre les ordres de leur seigneur. Heureux.
ils sont heureux de suivre les ordres de leur seigneur. Il va pas forcément me servir à faire des actions, mais plus à repérer ce qui se passe. Mais à long terme, il va servir, surtout que les ninjas sont très très forts. Ils servent à assassiner, saboter. Ah oui, je pense qu'en fait, l'IA là, elle va juste bugger en mode... je vais y aller, et en fait, elle se rend compte que mon armée, elle est en garnison, et elle va se dire non, donc elle repart. Intéressant. Et là, on fait... tac, 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 tac. Le gros rush pour voir ce qui se passe par ici. On n'a pas assez d'argent. Et là, c'est bon là, non? Donc, est-ce que ça va craquer? Non, on va laisser un tour. Coucou alors! Du coup, comment ça se passe-t-il? Tu as changé de campagne? Oui, effectivement, j'ai changé de campagne, Asana, comment ça va? Et on n'est plus dans un Japon féodal. Donc, adios tout ce qui est bateau à vapeur, canon fusil. Et bonjour, katana, lance, chevaux, cavalerie et archer. Là, on se retrouve en pleine... c'était pendant la guerre civile, encore une guerre civile. C'est vrai qu'ils les ont un peu enchaînés, les Japonais. En pleine guerre civile où en fait les seigneurs ont pris tellement de puissance que ils ont décidé de... En fait il y avait on va dire un maxi seigneur qui générait tous les seigneurs, genre une sorte de roi, mais c'est pas un roi de droit divin, c'est vraiment un seigneur plus puissant que les autres qui a été élu. Et là en fait du coup en fait ils veulent tous être le patron et ça a créé une guerre civile, il y a ceux qui soutiennent le shogun. Cool si ça va bien. Donc on se retrouve là-dedans et nous on essaye de tirer notre épingle du jeu. Et du coup, tirer notre épingle du jeu, c'est devenir nous-mêmes le super seigneur. Quoi. On dirait vraiment un truc genre Superman et compagnie. Je veux devenir le super seigneur. Et là on vient de conquérir cette... Ça va, j'aime les chevaux, ouais. Ouais. On va essayer d'en faire quelques-uns parce que j'ai l'impression que ça c'est efficace. Là, on essaye de savoir, du coup, où est l'armée de notre cher ennemi, là. Elle est là. Ah, elle est là, et elle est costaud, et elle a des chevaux. Donc, on va peut-être recruter encore... Ah, j'aurais peut-être dû recruter ça. Ah ouais, j'aurais dû recruter ça. Celui qui voit dans l'ombre est puissant à la lumière. Les Metsuke s'occupent de la corruption, maintiennent l'ordre... et surveille les assassins et les espions. Non, il a vu quelqu'un. Ah oui, j'ai déjà atteint mon maximum de ninja. Alors, ce qui est pas mal dans celui-là, c'est que quand on fait des actions de personnage, on a toujours droit à une petite scénette un peu marrante. Si ça foire, c'est toujours une petite scénette un peu rigolote. Ah, il y a trois armées. Ah oui, il va falloir faire attention quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ouais. Ah oui. C'est pas... Voilà, par exemple. Je reviens, j'ai un appel à passer. Ouais, à tout de suite. Hop. J'ai fait l'action parce qu'elle coûtait que 50 et que ça augmente son niveau. Mine de rien, c'est pas négligeable. On va augmenter ça ou... Ouais, on va augmenter ça, ça fait toujours de l'argent en plus. C'est ici qu'on va recruter des navires apparemment, puisque ça, ça réduit le coût de recrutement des navires. Recrutement, on est d'accord. Hein. Ici, on est content et on paye. C'est parfait. La maîtrise des arts, la voix de l'archer. Et ensuite, on va retourner du côté de notre... de la voix du chien. En fait, Bushido,
c'est tout ce qui est maîtrise guerrière, et la voie du Chi, c'est tout ce qui est maîtrise civile et religieuse, mais on a quand même une orientation militaire, je crois, non, quoique si, voilà. Quand on part vraiment du côté tout ce qui est bouddhisme, on a les moines combattants, les non-combattantes, les héros moines. Ah, ça donne envie, hein. Construire la petite citadelle, là, j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Là, on a une bonne économie. Elle est assez costaud pour un début de campagne. Je sais pas si... Ouais, voilà, on va essayer de les choper, hein. Là, il m'embête. Saboter l'armée. Allez. Hop. Et en plus, il augmente de rang. C'est parfait. Alors, plus un... ah, non. Hein. On va prendre les réussites. On veut que tu sois un assassin. Alors, ton armée, toi. Ouais, elle est bien. Hein. Allez, on y va. On va aller à sa rencontre, hein, quitte à fuir. Je pense pas qu'elle puisse faire ça, ça. Donc là, on a perdu un peu d'argent parce qu'on a recruté, bien sûr, les samouraïs. Ils coûtent 100, 120 chaque... chaque tour. Donc 240 à peu près. Ah voilà. Ah bah d'accord. Donc ça c'est pas commun ça. Mais attends, du coup je comprends pas. Il a réussi à passer alors que j'ai ma zone d'influence. Ah, il devait être caché là. Hop. Alors. Vers quoi on va aller s'orienter? On va faire ça. Ça va permettre d'aller chercher les autres niveaux de ferme. Pendant que nous, bah, on va s'attaquer à cette armée-là, qui est entièrement remplie de Yari. Donc, il veut pas se battre. Et mon grand, malheureusement, t'as pas le choix. Hein. Est-ce que c'est Daimyo? Non, ce n'est pas un Daimyo. C'est vrai que ce serait plus intéressant si, par exemple, et ça se trouve c'est le cas, mais j'ai jamais remarqué que si on tuait le daimyo, ça faisait une grosse instabilité, par exemple une perte de pour les autres généraux de morale ou de loyauté, et du coup des rébellions, parce que quand même c'est le chef quoi. Puis on est au Japon, donc c'est pas même dans n'importe quelle partie du monde, quand le chef mourait, c'était une grosse perte d'instabilité pour le pays. Alors, rechargement des armes à feu prend plus de temps, les gens ne peuvent pas tirer de flèches en feu, mais personne le... Ah si, je peux! Eh ben, ah, non. Il est plus difficile de mettre demain... Non, mais moi j'ai des armes... Ah non, tu vas voir qu'il va... Ah, c'est bon. Moi, je peux faire des armes en feu... des flèches enflammées. Ah, petit discours encore. Ite wa, yumiya o iru mae ni kokoro o muni suru. On l'a déjà vu, hein. C'est pour qu'il nous fasse le même speech à chaque fois, on va lui écrire. Hein. Hop. Premier groupe d'archers, deuxième groupe d'archers. Et une belle ligne. Alors. Hop. Pourquoi je les mets pas ensemble? Parce que eux ils peuvent pas faire le mur de Yari et j'ai envie de pouvoir leur dire arrêtez le mur de Yari au moment où j'en ai envie. Ah, est-ce que c'est eux qui viennent? Oui, c'est eux qui viennent. Hop, on va se mettre en plaine, hein, nous ça nous arrange. La plaine nous arrange.
Ils n'ont pas de cavalerie à part leur général, je ne pense pas qu'ils chargent. Et s'ils chargent, bah j'ai deux généraux pour venir lui mettre. Venir le contester. Lui expliquer que ça ne se passera pas comme ça. Et on avance vers eux parce qu'apparemment c'est moi qui viendra. Ah oui, alors super. J'adore faire des formations et ils se disent non, bah c'est bon, comme ça, ça sera. Je préfère me la faire comme je veux. Alors, la différence entre les archers samouraïs, c'est déjà leur précision, hein, 50 contre 30. Leur attitude à recharger, 50 contre 30 aussi. Ils ont un peu plus de munitions, mais surtout attaque en mêlée 6, attaque en mêlée 3, défense en mêlée 2, défense en mêlée 3. C'est pas beaucoup. Armure 4, armure 1. Et ça change beaucoup de choses, ce petit bout d'armure. Oui, vous avez fait juste n'importe quoi. Après, ils sont moins nombreux. Alors on passe de 120 archers à 90, c'est 30 personnes de moins. Mais bon, si leur flèche touche, touche plus, bah écoutez, je comprends. Hein. Hop. Les flèches enflammées, ça fout le moral à zéro. Hein. Et là, mur de Yari. Ils veulent choper mon général. Alors là, on tire tous sur le général si on peut. Ils ont réussi à passer. Général. Ouais, les samouraïs se sont pris une charge tout à l'heure, ça a été l'hécatombe, là là ils s'en sortent plutôt bien. Les archers, c'est pas un problème, hein. On peut les laisser partir. Et ben voilà, c'est encore une victoire. Bon, après, là, compte désormais comme ça. Ils ont aucun archer, donc forcément, ils sont obligés d'aller chercher le contact. On a l'initiative, les mecs arrivent, ils ont déjà plus de morale. Ils sont plus très frais parce qu'ils ont dû courir. Hop. Nous, on va se mettre en planque ici. Combien de tours? Deux tours avant que ça soit ok. Trois tours. Bon, c'est largement bon. Oui, c'est des archers samouraïs, c'est pas... D'ailleurs, je croyais qu'ils allaient me filer des... du grouillot, mais pas du tout. Hop. Donc, ici, on a... la possibilité d'augmenter encore la vie. On va faire, plutôt que d'augmenter le niveau de... la taverne. Qu'on pourra sûrement faire dans deux tours. Donc là, clairement, notre samouraï qui a permis de... Alors, attendez, par contre... C'est ça qu'on veut, hein, sur le long terme. Champ d'or d'automne, reflétant le dur labeur, moisson récoltée.
Comme quoi, hein, même avec un vieux jeu qui a pas des graphismes au top, hein, même si ça reste très sympa, on peut faire des jolis trucs. Hein. Et ouais, du coup, je disais, le ninja qui m'a quand même bien, bien aidé parce que il a permis de saboter cette armée-là, donc elle a pas pu rejoindre son copain. Lui, il a voulu avancer. Bon, voilà ce que ça lui a fait. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Eh ben, oui, on a fait le choix donc de la populace reconnaissance, du coup, reconnaissante. Du coup, plus 2 de bonheur et plus 5 de croissance. L'autre, c'était plus de... plus de commandes de surplus alimentaire et plus de pognon généré par les bâtiments. On n'a pas le pourcentage n'est pas assez enfin, est gros, mais on n'a pas assez de bâtiments pour que ça soit intéressant. Pour que ce soit intéressant. Et alors que là, par exemple, du bonheur, bon bah déjà ça m'arrange. Et de la croissance urbaine plus 5 de croissance urbaine par tour, ça veut dire que en fait on fait augmenter ce que la ville nous rapporte. Sur le long terme, c'est ça qui est le plus rentable. On n'a pas de problème de trésorerie, au contraire. Et on va peut-être devoir s'intéresser au commerce bientôt. Oui, oui. Enthousiasme, non. Non, 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 j'ai déjà un général qui en attente ici, j'en ai pas besoin de deux. On est d'accord, si je rentre là, je suis en attrition, ouais. On va attendre un tour. Ici. Oh. Bah dis donc. Par contre, ça me fait peur. Je ne vois pas de Daimyo. Ah. Ça, ça me plaît moyen, ça. Oh oui, ça me plaît vraiment pas du tout, même. Vous, je ne veux pas savoir qui vous êtes. Est-ce qu'on connaît d'autres trucs? Non. On peut juste faire peut-être un petit peu de commerce. Parlez en toute honnêteté et je... C'est inacceptable. Eh ben, c'est inacceptable. Hop. Le marché. Donc, bourse du riz. C'est ici qu'il faut cliquer. Et bah, c'est ce que je suis en train de chercher. Et ça, c'est beau. Donc, au prochain tour. Non. On n'augmentera pas ça. Ah oui, mais de toute façon, on peut pas augmenter ça. Parce que, voilà. Déjà, tout de suite, ça nous fait une consommation alimentaire. Ça marche pas. Alors il faut savoir que toutes mes VOD se font cramer. Enfin, se font cramer. Oula, lui, il a l'air costaud, lui. Se font. Pas, elles se font pas striker, mais bon, j'ai pas de monétisation dessus, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais quand même, sur le fond, ça m'énerve un peu. Et en fait, c'est que le gars utilisait des samples genre de musique japonaise, et du coup, comme il y a de la musique japonaise, ça ressemble un tout petit peu. Et ça me met... non, non, bah, tu utilises de la musique qui ne t'appartient pas. Ah, ils ont perdu. Quoi? Il est où mon... Where is my ninja? Ah, il est là. Et bah, dis donc, il est bien caché, un ninja. Toi, t'es en guerre contre qui, toi? Ouais, t'es en guerre contre tout le monde, hein. Toi, t'es vraiment... t'es le trou du cul de base, quoi. Hop. Alors, attendez, je vais faire une modification sur... sur Wizbot. Je viens de voir que ça ne marche pas comme ça. Voilà. Ah,
Lui, il va être... Ah, mais non, mais c'est bon, il vient de se prendre une roost. Ah oui, oui, bah oui, effectivement. C'est parfait. Alors, assassiner. Putain, ça coûte tellement rien d'assassiner. Petite cinématique de ninja, on va parler doucement pour qu'il se fasse voir. Ah, il a réussi apparemment. Nous sommes sur un ASMR assassin. Le couteau pour sa famille pour qu'il puisse couper des steaks. Cible assassinée. Qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait que au mieux de recruter, de récupérer des hommes beaucoup plus vite, bah ça fera moins. Ça prendra beaucoup plus de temps. Ici, que va-t-on construire? Bah, je pense qu'on va construire un marché. Un marché. Allez, on avance. Ah bah alors ça. Ah, il y a un nouveau général qui est sorti. Eh bah. Par contre, ça m'arrange pas ta petite histoire à toi. Cette armée-là est costaud? Non, il y a personne là-dedans. Hop. Bah, c'est parti, hein. Ah, haute cinématique, Azem. Je pense que c'est raté. Hein. Oh. Franchement, s'ils faisaient ça, les mecs, c'était quand même des sacrés enfoirés. Hein. Tuer à la ficelle. N'empêche, fallait être. Fallait quand même être quelqu'un d'assez particulier. Hein. Pour être un ninja. Alors, le bastion est en feu, nous on peut pas bouger, niveau pognon, on peut augmenter ça, ah non, on va faire un marché, plus utile, et on peut rien construire d'autre, hein. Ça après c'est obligatoire. Hein. C'est obligatoire, ça augmente la croissance urbaine encore. Ah mince, j'ai pas vu qui c'était lui. Après lui, faut pas s'allier avec lui, il est trop fort. Il est beaucoup trop fort. Ça m'intéresse. Alors, qu'est-ce qu'il peut me proposer le Metsuke? Moins un... plus un Drus pour l'arrestation, ouais. Le chien, ça me plaît, il est beau. Mais je pense que c'est ça. Alors, nous avons contre-espionnage, surveiller les villes. À quoi ça sert exactement de surveiller les villes?
Ceci augmente le revenu de l'impôt de la citadelle et réduira les actions contre elle. Et bah c'est ce qu'on veut faire. En fait, eux, ça va être nos surveillants. Ils seront pas, ils seront proactifs. Là, on peut attaquer ce truc. Jamais de la vie, on arrive à le tuer. 66%. Saboter porte du château. Ça, ça m'arrangera bien, ça. Salut Season Dude, et bah moi ça me fait plaisir que les gens viennent voir des streamers de Shogun 2. Mais au plaisir. Comment ça va? C'est la première fois que tu viens sur ce stream? Je crois, hein. Je crois que je ne t'ai jamais vu. Ou si tu es venu, tu n'avais pas parlé. Échec du sabotage, et bah voilà. Ah bah oui, ça va très bien. On a commencé une petite partie aujourd'hui, là. Tu débarques sur le début de la campagne. Et ah, l'attaque. Moi, c'est un jeu que j'affectionne. C'est un peu le Total... Enfin, c'est le Total War qui m'a fait aimer les Total War. C'est pas le Total War qui m'a fait découvrir, mais... on va faire un siège. Hein. On va continuer le siège. Ça sert à rien d'essayer de monter ça. On va s'écraser sur leur défense. Ah par contre on va se taper l'attrition de l'hiver. Ah, attendez, deux secondes, ça va un peu sauter le temps que je revienne sur mon gestionnaire de stream. Alors où est-ce qu'on en est? Ici, donc comme c'est l'hiver, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent, vous voyez j'ai une petite tête de mort, c'est l'hiver, j'ai des renforts qui vont, enfin mes armées vont... perdre des soldats parce que c'est dur de ne pas être dans sa province en hiver. Mon petit soldat là, mon petit ninja va aller voir ce qui se passe ici. Il y a une armée de un bonhomme, c'est bon. Et ben on va continuer. Est-ce que je peux construire une route? Oui. Si t'as des conseils, Zizon, il faut pas hésiter, hein, je prends tout. C'est pas un... moi, sur ce Shogun, j'ai pas beaucoup joué. J'étais beaucoup plus sur la fin des samouraïs, plutôt que sur celui-là. C'est plutôt lui auquel j'aimais jouer, mais là, c'est l'occasion de le redécouvrir correctement. Je fais des Shogun... Ah bah ouais, bah, c'est pareil. Bah ouais, ça tombe bien. Non, je veux toujours pas. Bah moi, je trouve que c'est vraiment moins 25% de coûts de recrutement pour les unités terrestres de toutes les provinces. Ça tombe mal. Merci Season pour le follow. Combien de tours avant la révolution 2? Je pense qu'au prochain tour, ils vont m'attaquer. Est-ce que je peux faire des actions? Non, je peux pas faire d'action. Ici, est-ce qu'ils produisent une armée? Pas du tout. On va un peu aller les embêter. Non, pas du tout. Ils sont en train de construire le... Ah non, alors... On va aller détruire ça. Voilà. Moi, c'est ça que j'aime bien. Par contre, dans celui-là, c'est les petites cinématiques. Bon après là c'est... Alors franchement d'habitude quand je joue solo et je vais pas m'en plaindre, je fais toujours que des fails. Bon c'est sûr parce que je rate mais alors par contre qu'est-ce que je me marre des petites cinématiques d'échecs. Mais bon là du coup on fait que de la réussite donc tant mieux. Et du coup qu'est-ce que je disais, ouais j'aime bien cette faction parce que forcément moi j'ai toujours été par exemple dans les jeux vidéo à jouer à distance. Et du coup, bah, une faction où ils disent clairement on a des archers qui sont plus forts et des archers qui coûtent moins cher. Bon, bah allez. Hein. De toute façon, ça se voit à ma compo d'armée qui comporte 4 samouraïs et 4 archers. Enfin, 4 unités d'archers à Shigaru.
Là, j'ai beaucoup d'argent. Je vais pouvoir recruter un autre Metsuke. Ben, d'ailleurs, je peux le recruter ici, tant qu'à faire. Il va pouvoir surveiller la citadelle et monter de niveau. En fait, ça serait pas stupide de créer une armée un peu plus forte. Ouais, je crois. C'est ça. Hop, augmenter de Yari. Avoir une fronte un peu plus forte. Et c'est tout. Quand je vois qu'il y en a un, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 provinces. Il est... Il joue pas dans le même jeu que moi, hein, clairement. Je suis en train d'observer mon chien qui s'étire dans tous les sens. Clairement, il passe sa meilleure vie. Hein. C'est un jeu qui joue en multi. Oui, normalement. Alors, il y a deux genres de multi. Soit tu fais juste des affrontements sur des batailles comme on va faire là. Donc, uniquement le temps d'une partie d'une bataille. Soit tu fais une campagne en coopération sur la carte de campagne, donc sur le jeu en entier. Mais je ne sais pas du tout comment ça se passe dans ce jeu-là. J'en ai jamais fait, j'avais jamais eu l'occasion d'en faire. Ouais, alors clairement, comme je disais, notre Daimyo, il balance toujours les mêmes phrases. Hein. On est l'archer qui tire... Qu'est-ce que c'est que ça? Oiseau de vol, dragon couché... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je suis le dragon couché. Oh, d'accord, c'est des formations. Hein? Écorce de pin. Formation d'attaque de la cavalerie lourde. Ouh, ça, j'avais jamais vu ça. Formation d'attaque de l'artillerie lourde. Ah, c'est marrant, ça. Fer de lance. Ah non, d'accord, oui, c'est quand elles sont... oui. C'est quand elles sont en mode bloqué. D'accord. Et comme tout à l'heure, on fait exactement les mêmes groupes, hein, c'est la même armée, on va faire la même stratégie. On va juste, ils avaient plus de cavalerie, donc on va faire une défense par rapport à la cavalerie. Bon. Ah, ils y vont, hein. Ils perdent pas de temps là. Hein. Hop, alors eux ils vont pas kiffer du tout là. Chopez-moi ça. Allez, 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 allez. Voilà, c'est bon, ils l'ont eu. On va augmenter. Ils vont me déborder sur le côté. Oula, qu'est-ce qu'ils font? Le général qui charge. On va le choper, hein. Qu'est-ce qu'ils font, mes samouraïs? Notre général court un grave danger, monseigneur.
C'est bon, ils ont abandonné. Donc vous me tirez là-dedans. Là, il y a beaucoup de monde. Et maintenant, vous pouvez charger là, hein, je pense. Il n'y a plus de problème. Et vous me tirez sur eux. La coop est géniale. Ah ouais? Cool. Allez-y, allez-y. Non, non, c'est pas une honte, t'inquiète. C'est normal. C'est gagné. Hop. Attends. Ils sont toujours pas tombés là ? Vas-y là. Pendant qu'il y en a un qui fait son tour, l'autre gère. Elle peut gérer le recrutement, la construction, du coup c'est très rapide. Ah ouais, bien mieux que... Et vous venez quand même. Bien mieux que dans Total War, alors Warhammer. Où c'est un peu long des fois. Ouais, pourquoi pas, un de ces quatre. Merci Subutai98, merci pour le follow, bienvenue. Et c'est gagné. Salut mon chien. Eh bah écoute, ça me fait très plaisir de savoir ça et il faudra qu'on essaye un de ces quatre. Hop. Victoire décisive. Je crois que comme j'ai pas flingué toute son armée, il est toujours en... Le siège ne sera pas tombé. Non. Après, il y a plus grand monde, hein. Il y a plus beaucoup d'archers... Et moi j'ai encore... Ah j'ai perdu pas mal d'archers hein, quand même. Hein. Bon allez on se la fait, ça sera toujours un tour de plus. Viens, viens ici. Viens là. Voilà. Alors, commencer le déploiement. Oui. T'es content. Le tchatch... non, bon, c'est bon, on va y aller. Hein. On va pas perdre plus de temps que ça. Doucement. Tu veux parler au micro? Oui. Mais t'as rien à dire, malheureusement. Alors... par où on attaque? Par là. Dans mon souvenir, c'est le mieux. Ouais, c'est pas le meilleur château à assiéger celui-là. Ah, il y a plus grand monde hein, dans mon armée. Hein. Ah, tu veux monter sans... Alors... où est-ce qu'on en est? Vous allez venir ici là. On va se mettre en x3 et on va attendre que ça avance. x3 j'ai dit. x4 même, joyeux. Et on attend. Donc ouais, comme je disais, c'est vraiment le Total War qui m'a vraiment fait kiffer quoi. J'ai passé des sacrés bons moments, j'ai dû faire une vingtaine de campagnes.
Des complètement finis, ça aussi, j'ai dû en faire pas mal. Par contre, ouais, on va se calmer, vous approchez pas trop. Ils sont combien? Ils sont 28. Alors, ici, là, là. On leur dit flèche enflammée et vous me foutez le feu. Ah ça, voilà. Vous êtes content d'être là-dedans, là? Il fait bon, c'est un petit hammam. On est posé au calme. Et c'est maintenant. Ah non, 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 déconnez pas, vous, faut aller marcher dans la forêt. Oh non, mais non. Bon, bah, partez, 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 ça sert à rien. Vous, hein. On met le feu. Ce soir, on vous met le feu. Ah non, bah non, sur lui, tant qu'à faire. Ah bah je me disais quand même. Non, ils ont craché toutes leurs flèches de feu. C'est là-dessus qu'on veut. Ouais, bah oui, vous avez plus de flèches de feu maintenant. Ah, bande de malins. Oui, bah on se la fait sans, enfin on va au minimum de pertes, donc on se la joue qu'aux archers. Ça parce que j'aurais bien envoyé la cavalerie, mais bon. C'est pour que je perde la moitié de ma garde de général. Allez, vas-y, petit bonhomme. Ça, c'est le jeu préféré des Japonais, ça. Voilà. C'est de l'acupuncture. Aucun pixel n'a été blessé. Lors de cet entraînement. Ce sont des flèches en mousse. Bon bah vous pouvez venir maintenant. Hop. Ils vont charger comme des dingues. En plus, ils sont crevés là. Ah non, c'est qu'ils se battront jusqu'à la mort. Ah oui, ils vont défendre leur drapeau. Allez, 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 du nerf, du nerf, du nerf, du nerf, du nerf, du nerf, du nerf. Chopez-les, 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 chopez-les. Il court trop vite. Notre général court un grave danger, monseigneur. Qu'est-ce que j'ai fait?
Bon, c'était pas très passionnant, mais ça prend du temps, des fois. Là, j'ai essayé de sauver un maximum de troupes pour que pas que l'autre vienne m'attaquer tout de suite après, quoi. Que je sois un minimum, que je fasse un minimum peur. En vrai, ça se trouve, je me fais des idées. Et voilà, on est bien. On construit. Qu'est-ce qu'on a là? Donc, la cavalerie, c'est normal. Parce qu'elle est très forte, la cavalerie, ici. Est-ce qu'on recrute? Ah oui, je peux pas recruter tant que mon bastion n'est pas réparé. Et ça. Ça, on n'en veut pas. C'est que la cavalerie, hein. Plus 3 de bonus pour la cavalerie. Oui, il n'y a pas de... Il n'y aura pas de bonus autre. Ouais. Tu surveilles la citadelle. Niveau argent, on est ok. On va aller capturer ça. Lui, c'est bien. En plus, il a fait. Il a construit le relais de poste. Ici, ça se construit. Ici, ça se construit. Et bah, pour l'instant, on est bon. On est au max de ce qu'on peut faire. Ensuite, on va pouvoir, au prochain tour, on va pouvoir faire les cultures en terrasse. Et ensuite, on va aller chercher de nouveaux, de nouvelles unités. Par exemple, les samouraïs Nagitana. Ou, si je ne trouve plus, les grenadiers. Voilà, les samouraïs. Je ne sais pas c'est quoi le plus fort entre les samouraïs ou les moines. Je ne sais pas c'est quoi les différences. Enfin, que je regarde les stats, C4, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais je trouve que c'est un peu le bordel dans ce Total War pour comparer les stats. Traité de paix, bah bien sûr. Trop de brave homme. Le mec, il a, quand j'étais bien en 1 contre 2, il a bien fait « Allez, salut, je viens de t'en foutre plein. » Et maintenant, on est vraiment, c'est vraiment la merde. Si tu veux, on fait la paix. Ah, par contre, ça c'est pas cool parce que il me manque 5 de pognon. Sogo. Sogo me déteste. Sogo n'est pas très content. Est-ce que tu veux me donner. Parler en toute honnêteté et je prêterai une oreille attentive. Est-ce que tu veux pas me donner 6 ? 6. On peut pas donner genre moins que 1000. 6. Allez, c'est 6 balles quoi. Sérieux. Amako ne m'aime pas. Comment je suis moi? Mon clan. Tout le sud ne m'aime pas, ouais. Ouais. Là, on a une armée, ouais. On pourrait aller tout de suite. Combien de tours avant que ça soit 3? Ah, mais je peux recruter. Cavalier et chaque samouraï Yari est particulièrement redoutable lorsqu'il charge. Ouais, et ça, cavalerie légère. Ah oui, d'accord. Oui, ça c'est... Et là, archer cavalier, cavalier katana est composé de troupes de choc pour percuter et trucider leurs ennemis. Oui, c'est super, c'est trop bien, c'est fort contre quoi? Bonus mêlée contre cavalerie. 15. Ah bah voilà, c'est ça. Eux, ils sont contre la cavalerie. On va en recruter 2. On va en recruter qu'un. Toi, bah écoute... Hop, sabotage, fais-toi plaisir. Échec du sabotage, ah évidemment, ah, mince. Ah, ça me donne limite envie de recharger. Alors, non, ça on s'en fout. Ça, ça pourrait être pas mal ça. De toute façon, il nous faut ça.
Je réfléchis sur quoi faudrait me lancer. Ça peut être pas mal, hein. Combien? 3, 4, 5. Ouais. Ça. Comme ça, on va pouvoir augmenter nos bâtiments. Pour l'instant, notre armée, elle est correcte. Donc dans deux tours, on attaque. On aura une cavalerie en plus. En plus, lui, il construit des bateaux, donc il préfère utiliser son argent de manière inefficace, inutile. Ah oui, bah c'est bien fait de pas bouger en plus. Alors, c'est ça qu'on va construire. Ça ne rapporte pas beaucoup, hein, mais ça va nous permettre d'avoir du surplus alimentaire. Hop. Quoique si je lui casse, ça lui fait des surplus alimentaires en moins bien, donc il est pas très... ça lui va pas bien, quoi. Il est obligé de le réparer et de perdre de l'argent. Alors, tu réussis cette fois? Bon, c'était pas très marrant là. On lui a pas mis le feu. Après, c'est pas un spécialisé. Ah, par contre, il y a un nouveau personnage qui vient d'apparaître, donc là, on va pouvoir l'assassiner. Traité de paix, toujours pas. Lui, il sent la douille arriver. Les cavaliers Yari sont faits pour chasser les ennemis en retraite, mais connaissent de grandes pertes face aux piquiers et à l'artillerie. Aux troupes de tir, hein. C'est pas juste l'artillerie, hein. Voilà, ici on n'est pas content, mais ça va tenir un tour, et si je fais ça, c'est bon. Donc ce tour-ci, on gagne encore un peu d'argent. C'est ici que j'ai décidé de construire la ferme? Oh bah oui, allez. Et on va encore essayer de lui saboter. Je reviens dans le temps de la cinématique, je vais ouvrir à mon chien. Et voilà, sabotage réussi. Dès qu'on aura ces deux provinces, on va... Ah, j'aurais dû recruter. Ah oui, plutôt que de saboter ce bâtiment qui ne m'aurait pas forcément... Bon, après, j'augmente le niveau de mon assassin qui va suivre mon armée un peu partout, mais... Oula, c'est des drops que je vois? Non, non, non. Agitation grandissante, hop. Ça, c'est pas cool. Province côtière a été frappée par un tsunami affectant l'activité de son port et la production totale. 50% est dans la capitale provinciale, moins 2%. C'est où? Ah bah oui, bah d'accord. Les mecs sont hyper pas contents, quoi. La productivité au fond. Le général, on s'en tape un peu, hein, ce qu'on préférait. Oh, quoique. Ouais, on va assassiner le général.
Ça va passer normalement. On a raté l'assassinat, bon bah voilà. Ah non mais on peut se la jouer comme ça, sauvegarde rapide, on va faire une résolution du tout. On joue en difficile au fait, hein, pour ceux qui voulaient savoir. Hop, je suis remarqué. Alors, le truc c'est qu'il faut pas trop se faire remarquer. J'ai fait une partie du coup pour tester. Et quand même, j'ai vu que quand tu te fais remarquer, en fait tout le monde te déteste. Donc faut pas trop se faire remarquer. Prévision 3. Oui, donc je peux construire ça. Ça, ça augmente de quoi? Plus 5. Et plus 60%. Mais il nous faut de la pierre, ce qu'on n'a pas. Ici, je ne peux pas savoir ce que la production spéciale. Et on passe de tour encore. Dans 4 tours, on va pouvoir augmenter notre taverne ici et sûrement nos prochaines tavernes là. Sachant que ici nous ne voulons pas de ça. Nous déclare la guerre, et bah écoute, c'est pas trop ce que. C'est chiant. Parce que là, clairement, il va pouvoir. Agir sur deux fronts, mais on va essayer de placer notre armée ici. Quoi? Tu viens traîner par là. Ah oui, tout de suite. Ici, ils sont pas contents. Ouais, moins un. On va recruter un petit bonhomme pour faire un peu de présence militaire. Toi, tu as 2 points. Donc, ce qu'on veut te donner. Non, on veut pas te donner du. Plus 30%. Là, c'est plus 20. Plus 30. On prend. On va pas s'orienter cave. Qu'est-ce qu'on veut? Je connais pas encore trop bien par cœur l'arbre. Diminue les sièges. Plus 1 de morale. Augmente la durée du siège d'une saison. Ah oui, parce que c'est en défense, d'accord. Ouais, ça c'est pour augmenter le garde du corps. Ah, on va prendre ça parce que ça nous intéresse bien. Hop. Et voilà. C'était la réflexion autour du truc. Je suis désolé, ça prend un peu de temps. Faites le temps que je lise. On passe de tour. On passe en hiver. On va voir si les autres m'ont pris de vitesse. Eh oui. Ah non. Ils envoient un bonhomme. Il va faire une action. Ouais, il va faire une action. Oh non. Oh, ça, c'est vraiment pas chouette, ça. Il a tué mon gars, quoi. Putain, il avait moins 5%. Ah, il est peut-être juste blessé. Jugé et emprisonné. L'ennemi a emprisonné un agent étant mineur et reprendra bientôt du service. C'est ça. Le gars est venu chez moi, dans ma capitale. Il a dit, toi, c'est pas bien. Allez, où ton armée? Ah bah tiens, on voulait de la pierre. Bah, y a personne. Bah, go.
Ah ben si. Je comprends pas. Elle est où son... Ah. Oui, d'accord. Elle était en embuscade là. Ah, les petits malins. Les petits malins. Bah, on va essayer de les prendre. Eux, je sais que Lia, elle a tendance à rusher comme une dingue dans son château. Alors nous, on va voir où est-ce qu'on était positionné. Le truc que je trouve dommage dans ce Total War, c'est qu'on sache pas par où arrivent les armées. Quand même, c'est une... Enfin, c'est une base, quoi. Genre, tu sais par où elles arrivent les armées. C'est vrai que ça serait un petit mode que je pourrais aller chercher, genre, voir par où arrivent les armées. Alors, on est toujours la flèche qui tend le truc. Oui, toujours le même histoire. Donc nous on arrive là, eux ils sont censés arriver par là. Ouais, ils vont rusher cette porte. On va se mettre entre ces deux portes là, en espérant les choper. Ah oui, c'est vrai. En plus, là, j'ai de la cave. Hop. Alors, ah bah, ils sont là. Elle est là, l'armée. Donc, tranquillement, on va se positionner ici. Quoique vous... Ah, peut-être qu'ils vont rusher cette porte-là. Bon, après, le temps que... Ils vont y aller en courant, là. Ils sont en course. Ah, ils sont clairement en course. On va regarder vers où elle va. Et on va décider de courir ou pas. Parce que j'aurai pas le temps de faire monter mes troupes et tout... En défense. Ah, il y avait de la cave. Ils ont de la cave. Tac. Général. Général. Ah oui, il y a deux généraux. Et c'est tout. C'est tout. Après, il y a beaucoup de samouraïs Yari. Hein. Faut faire attention à ça. Donc, j'ai de la cave. Et c'est vite dit, quoi. Vu qu'ils ont que de la, des lanciers en face. Non. Ce qui est dommage, c'est que... Ah, ils ont fait ce tir. Ah non, leur général est là. Ah oui, d'accord, c'est les vassaux généraux. On va augmenter la vitesse. Après, là, leurs généraux, franchement, ils rushent là, comme des dingues. Mais go, là, faut les choper. Ça, c'est fort contre quoi, ça? Mes archers, je veux qu'ils se... En fait, ouais, courir comme des dingues. Là, là, choper-les, là. Ah, dis donc, je pensais que ça allait faire plus de dégâts, hein. On va se battre devant le château. C'est quoi ça? Ah mais non, ça c'est des cavaliers Yari, d'accord. Bah attends, quoi? Ah non, c'est les miens. Voilà, ça y est, on a eu les généraux. Le truc c'est que comme ils ont pas d'archer, ils peuvent pas nous tirer dessus. Ça c'est le bon plan. Enfin, ils arrivent par là quand même. Vous allez vous mettre là pour les empêcher de passer.
Pourquoi ils me disent toujours que c'est des cavaliers Yaris, c'est pas des cavaliers Yaris ça? Si! C'est des cavaliers. Bah non, c'est pas possible. Tous des cavaliers. Ouais, je pense que j'ai un bug. Mettez-vous en mode imperception. C'est quoi ça? Bah vas-y, c'est la fête. Je veux bien que vous me tiriez là-dessus. Et vous, ici. Ici nous avons. Bah, le problème c'est que je suis obligé d'aller voir ce que c'est quoi, parce que là on a les archers. Non, oula, j'ai peur là. Je sais pas pourquoi ils me disent que tout le monde c'est les cavaliers Yari, c'est n'importe quoi. Bon, c'est fait ça. On les a eu avant qu'ils puissent rentrer dans leur château. Ça leur a mis en plus un sacré coup au moral. Là, ils sont au fond là. Ah bah attendez, s'ils s'approchent, faut pas se coller à ce point là. Alors, toi, vous êtes beaucoup et vous, vous êtes beaucoup. Eux ils sont. Ouais, c'est eux qu'il faut viser, bah ils le font tout seul. C'est vraiment une époque fabuleuse. Hein. Les gens qui sont. Ils disent j'aurais bien aimé être un samouraï, bah voilà. C'est bien dans les films quoi. Non, pas de vous. En tout cas, bonjour à tout le monde, hein, tous les viewers qui parlent pas aussi. Hein, je vois qu'on est 6 sur le stream, ça fait plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir. On va accélérer, hein, ça sert à rien là, on traîne. Voilà, le jeu qui aime pas trop quand on accélère. Hein. Voilà, c'est terminé. Bon bah du coup par la force des choses on a conquis l'île très rapidement. Par contre on n'a aucune alliance, on n'a plus d'ennemis.
Oh bah dis donc. Ils sont contents d'être passés à l'ennemi eux. Hein. Alors, moins 30% de construction de bâtiments dans cette province. C'est bien ce que je me disais que ça coûtait pas cher. Donc, ça c'est 5 tours. Ah oui, voilà, il y a la différence. Bon bah déjà pour une première campagne on a bien monté, on a ouais on a bien progressé. Donc je te laisse. Ouais bah salut Zizone, au plaisir de te revoir, hein, à la prochaine. Donc maintenant la grande question c'est où qu'on va. Là il y a de l'or. Très intéressant. Du fer. Tac tac tac. Ah super, je reçois des commandes et des messages. Votre colis est en route. Alors que je n'ai pas de colis qui doit arriver. Merci le phishing. Je regarde vers qui je dois me tourner pour qui sera mon prochain ennemi. On va aller voir là, par là. Alors, eux, ils sont pas très contents. Eux, ah, ils sont puissants et faibles. Pourquoi personne ne m'aime? On est tous bouddhistes en plus. Et moi qui m'aime. Il y a juste eux qui m'aiment. Pourquoi? Qu'est-ce qui... Clan non respecté. Ah, bah voilà. Tout ça. Je ne te respecte pas. Parce que tu es une petite merde. Donc, le but. N'empêche qu'il m'a bouffé un de mes petits. Un de mes. Musune, c'est ça? Avant de partir. Hein. Metsuke. Il s'est dit, tiens. Allez. Ouais, qu'est-ce que tu vaux? Non, moins 10%. Ouais, c'est déjà mieux que moins 5. Et. Tu surveilles ma ville mieux que personne. Oui, du coup, il m'a bouffé mon Metsuke, mais apparemment, il est déjà revenu, ça va vite, finalement. Ici, on construit ce petit truc. Alors, diplomatie, finance. Cette ville ne paye pas. Est-ce qu'elle peut payer? Est-ce que ça change grand-chose? Non. Est-ce qu'ils ont... C'est quoi ça? Cobaya d'archer, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Moi, va falloir que j'investisse dans une armée, une flotte navale. Et je vais aller aussi chercher les petits points qui sont ici sur la map. On peut voir qu'il y a des petits points. Ça, c'est des, du commerce outre Nippon, on va dire. Je pense que ça peut être ça. Et il faut envoyer un navire de commerce sur place pour commercer. Par contre, je crois que là, je suis en train de faire des recherches qui ne m'intéressent pas. Ah oui, si, voilà, je viens de finir. Et maintenant, je veux ça. Et c'est quoi la différence? Ah, je... C'est pas tout de suite... Alors, attendez, on va regarder. Syndicat du crime. Et à partir de ça, active quartier... Ouais. Ouais, d'accord. Donc c'est pas ça. Euh,
Là, on va se faire un max de blé, hein, je pense. Hein. Je pense que c'est ça l'objectif. C'est d'augmenter. D'augmenter l'argent. Qu'est-ce que tu peux faire dans ces armées-là? Non, 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 non. Mais... Oh là là, quel emmerdement. Toi que je veux. Non, pas citadelle surveillée. Bah tiens. Surveiller l'armée. Hein, augmentera sa loyauté, ses défenses contre les ninjas. Ok. Mon ninja. Where is it? Ici, nous avons de quoi faire des bunes. Oui, des bunes, hein, pas des... 85. On en construit. Donc, on va focus en premier temps les bâtiments. Là, on va faire quelques tours à vide. Il n'y aura pas trop de batailles. Tant que personne ne nous déclare la guerre. On va rester sur notre île, là. Cool. À la Corse. Et on va demander de construire des bâtiments tout au long pour augmenter notre productivité. Voilà, on peut... Voilà, vous voyez, hein, on passe de 200 à 500 et de plus 5 à plus 10. Mais ça demande une consommation alimentaire qu'on aura au prochain tour en construisant cette petite truc. Il faut 5 tours, ça arrivera, mais comme... Voilà, je vais consommer mon surplus alimentaire. Non, non, on est bien. Là il m'en manquera un... j'aurai un surplus alimentaire. Je vais peut-être construire... Rapide, facile à manœuvrer et puissant, ce bateau est polyvalent. En revanche, sa polyvalence le rend moins efficace qu'un bateau spécialisé. Mais il reste très fort. Ah, Bushido, oui, parce que c'est sur quoi on est parti. Donc, on a dit qu'on se construisait ça. Et on a assez pour recruter une autre. C'est ça, hein, 90, oui, c'est ça. Eux, ils peuvent pas tirer, mais eux, c'est... en fait, on a deux sortes de bateaux là pour l'instant. On a le bateau Kobaya d'Archer et la bune moyenne. La bune moyenne, enfin le bune moyen plutôt. Le bune moyen, c'est il y a beaucoup de soldats pour aborder les navires. Et ça, peu de soldats pour aborder, par contre beaucoup d'archers. Il faut faire une sorte de moyen pour pas trop... Parce que sinon les mecs, si t'as que des archers, ils te rushent dessus et ils t'assiègent... Enfin ils t'assiègent, ils te t'abordent tous tes navires. Et t'es pas content. On est d'accord... Ah oui tiens, par contre toi... Toi tu vas partir à la recherche de copains. Quoique... Non, on va rester dans le coin, on a assez d'argent. On va juste attendre que quelqu'un nous déclare la guerre au pire. Et apparemment, ça a l'air d'être cool. Et nous, on ira déclarer une guerre dans peu de temps. Par contre, je suis en mode on est cool, on est chill. J'ai ce que... quel tour? 1575? Ouais, ça avance hein, quand même. C'est quoi les provinces qu'il faut que je capture? Setsu, Tosa, Setsu. C'est quoi Setsu? Setsu, 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 Setsu. Ok, d'accord. Setsu appartient à ce petit bonhomme là qui vient de se faire péter la tête, la rondelle, tout ce qu'on veut. Donc c'est lui qui est notre cible. Et en plus, Setsu est à côté de Kyoto. Qui est l'ultime cible. Et ensuite, il nous faudra
combien? 25 provinces, on en a 5. Bon, on partira de là. Hein. Après Setsu, on peut dire que c'est la dernière qu'on va capturer. Kyoto, il faut qu'on la capture et il faut qu'on la tienne 4 tours. Alors... Est-ce que c'est rentable ça? Non, pas trop. Ça, ça les moyens aussi. Ah, ici, ça va être rentable de construire quelque chose. Ça va être rentable de construire un marché. Et ça. Ce qui est bien avec ces streams là, c'est que c'est vachement chill hein, quand même. On est à la cool. Alors là, on vient de débloquer les katanas. Alors, attendez, que je fasse pas n'importe quoi. Combien de tours? 5, donc... Ah oui, j'avais pas vu. Et on se retrouve un peu bloqué des fois. Ici, on a Samurai Yari. Ouais, ok. Ah, j'avais dit que je devais construire des bateaux à chaque fois, tous les deux tours. Ah, c'est marrant, vous avez vu la bune. Je sais pas pourquoi c'était... Il y a des petites erreurs d'affichage de temps en temps. Ce qui est bien là, c'est qu'on est en train de se créer une flotte... qui va pouvoir détruire, enfin rivaliser un peu avec le reste. Mais comme c'est pas notre priorité, notre économie en fait est plus boostée qu'elle est détruite par notre augmentation de flotte. Et bah toi, voilà. Après, c'est des tours très rapides. On va peut-être, ce qu'on va faire, c'est peut-être qu'on va supprimer ça. Allô. Dissoudre. Voilà. Et au prochain tour, on va recruter des ça, Nagitana. Naginata. Ça c'est bien contre la... Pour... Oulala. Dis donc, contre la cavalerie et ça c'est bien contre l'infanterie. Attaquant mêlée 9. Voilà. Tout en étant assez fort contre la cavalerie. Tout en ayant un bonus plutôt. C'est pas les plus forts mais c'est pas non plus les moins forts. C'est la polyvalence quoi. Et nous, ce qu'on veut, c'est ça, puisque ça va nous permettre de tenir pendant que nos archers attaquent, enfin détruisent les lignes. Le fils a grandi, notre fils est devenu un général. Manque de nourriture, voilà. Non, merci. Et voilà, notre fils. Alors... Trois tours avant qu'on ait un nouveau. Trois tours avant qu'on ait le comment le surplus alimentaire. Euh...
Et on va recruter, du coup, ce qu'on a dit, c'est ici. Ah, par contre, ouais, y a... on peut recruter qu'un seul. Pourquoi ici, je peux en recruter par deux? Je comprends pas, peut-être parce que c'est juste la capitale, hein. Ouais, je crois que comme c'est la capitale. Ton nom. Ouais, ça se tient. Wairimasu. Ton nom. Sore dake de gozaimashou ka. En fait, comme je me dirige vers des trucs, c'est par ça que j'aurais dû partir. Je suis bête. Il va falloir surveiller là, les deux ronds enlacés, va falloir vérifier c'est quoi leurs alliés. Non, ils sont d'accord. Ils ont pas d'alliés. Hop. J'envoie la flotte ici. On va refaire une cavalerie Yari. Ah, ça m'arrange pas. Hein. 3 tours. Ouais. Ça donne quoi le printemps? Je crois que ça doit donner un surplus alimentaire de plus. Là on est un peu sur la ligne quoi. J'ai fait mon recrutement. Non. Une dernière. Toi, t'as augmenté de rang, c'est parfait. Le problème, c'est que j'aimerais bien construire aussi ici un autre... Oui, alors, attends, toi, tu reviens là. Donc tu vas... Oh ! Bizen ? Ah ouais, mais Bizen... Ah, quoique... Bizen appartient... Ah, Urumaki qui est en train de se faire détruire. Mais le problème, c'est que si j'attaque Urumaki, lui il me déteste déjà, il va pas trop m'aimer et il va m'attaquer. Et c'est ce qui m'est arrivé. Bizen fort, hein, il y a une ferronnerie, mais bon, tant pis. Je pense pas que ça soit ultra nécessaire de se focus là-dessus. Est-ce qu'on recrute des samouraïs? Faut un pavillon de chasse. Ah oui, le pavillon de chasse, oui, pas du tout. Je l'ai pas du tout. On recrute et après on y va. On va pouvoir... En plus, c'est bien là, nous. Armés d'une redoutable Naginata, ces samouraïs représentent une menace mortelle pour les unités d'infanterie et de cavalerie. Seule l'artillerie peut leur poser problème. Voilà, ça explique bien la force de l'unité. Hein. Ok, on va pouvoir voir la marine vu qu'ils sont à côté. Hop, on va pas du tout les attaquer. Hein. Ça fait un peu plus peur. C'est des cobayas d'archers, donc ça va, mais ça peut faire peur. Tu vois ce qu'il a comme armée? Ah oui, là, il est en feu, lui. Oh. Wow. Hop. C'est ça. Quoique, on aurait peut-être dû me faire ça.
Ouais, non. Ça me sert à rien. Ça me sert, ça me rapporte plus d'argent. Et à un moment, il faudra y passer. Mon bateau, il est toujours pas sorti, mais je peux toujours faire de l'avance vu que j'ai de la trésorerie. Et c'est pas mal. Voilà. On y est. Ah. Après, lui, il est en train de perdre de ouf, hein. Ah, d'accord, je viens de comprendre. Oui, oui. C'est bizarre. Les couleurs se ressemblent un peu trop pour bien comprendre ce qui se passe, mais... Bah, c'est très bien, ça. Continuer ainsi. J'ai pas de port, non, cette... Ah bah non, y'a pas de peur. Alors... Armée. Viens ici. C'est quoi ça? On augmente le port. On augmente le port. Ah, c'est embêtant que on n'ait pas autant de comment qu'on puisse pas recruter autant. En fait non, on va pas augmenter le port et on va recruter des samouraïs ici. Je pense qu'on va se faire une armée entièrement samouraïesque. Pouvant déplacer rapidement, ce petit bateau transporte des archers pourvus de flèches enflammées qui ne manqueront pas de réduire en cendres les bateaux ennemis. Non, c'est bien, quand on recrute la première fois, cette petite cinématique, c'est pas mal. Alors, toi, maintenant, on peut faire quoi ici? Il y a Mitsuke. Ok. On peut faire ça. Et maintenant, on peut recruter deux par deux. Il m'en faut encore. Qu'est-ce qu'on peut recruter ici? Il nous en faudrait deux comme ça. Et c'est tout. Hop, on refait un recrutement. Encore des Nagitana. Là, j'ai mes deux samouraïs qui sont sortis. On en ressort encore deux. Le port est bientôt construit. Là, on voit par contre que maintenant, ça y est, tous nos bâtiments sont au max qu'on pouvait faire. Oh! J'aurais pu faire construire un truc. Ben on va attendre.
Si je peux augmenter le bastion ici, là. Mine de rien. C'est pas anodin. Allez, on espère faire une petite bataille quand même, que ça aille quoi jouer. On va speeder en espérant faire une bataille avant que ça commence. Enfin, que ça commence, que ça soit fini, n'importe quoi. Ouh! Je pense à plusieurs choses dans ma tête, c'est quand c'est le bordel dans ma tête. Au Ashigaru Yari, les samouraïs Ashigaru possèdent la capacité de se défendre eux-mêmes en combat rapproché et sont plus efficaces contre la cavalerie ennemie. C'est le foutoir dans ma tête! Alors. Eh ben, on continue de recruter, hein, tant qu'à faire. Hop, encore une bune. Prochain tour, ils ont fini. Ah oui, non, on a dit qu'on faisait pas parce qu'on attend l'argent. Tendance à vouloir toujours construire tous les tours, mais là, faut attendre. Ninja augmente de rang. Conversion de la population au bouddhisme. Non, bah non. Ils sont déjà tous convertis au bouddhisme, donc ça va. Alors, cette armée-là. Ici. Et ça, on va pas le supprimer, on va l'envoyer en défense de la capitale, au cas où. On peut construire la forteresse. Et là, on a une armée costaud. On a une armée bien costaud. Et on va aller envahir notre armée qui se trouve ici. Alors lui, il est en train de devenir surpuissant là. Femme féconde, cette femme a de la chance et possède une santé de fer. Bah c'est très bien. Alors, nous voulons partir là-dessus, ça fera une très grosse... Ah non, quoique. Je crois que mon armée est full, hein. Je peux pas plus en mettre. Hein. Si ? Ouais, bah elle est très bien là, mon armée. 1, 2, 3, 4. Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bah si, elle est full. N'importe quoi. Hein, quoi? Armée. Sortez. Voilà. Shinobi, agent. Et là. D'accord, je peux pas sortir. Ça va, vous êtes quand même content, hein? Y'a pas de problème. Oui. Vous êtes content d'avoir rejoint la force de libération du Japon. Ah oui, je les sens pas. Amako là. Allez, on y va. C'est dessous. Tac, tac, tac. Déclarer la guerre, évidemment. Mina,
Bonjour. Ouh, il y a du monde. Il y a du froid. Ça, c'est quoi ça? Navire de commerce, ok. Oh, il y a du monde, hein. On arrive en mode salut, c'est nous. Mais on peut pas rentrer chez les gens sans leur déclarer la guerre, ce qui est vraiment pas mal. Qu'est-ce que j'ai à construire ici? Non, ça je peux pas construire parce qu'il y a ça qui arrive. Ouais, on va construire ça. Ils vont me sauter à la gorge comme jamais. C'est dommage que un truc aussi qui a reproché au jeu, c'est que quand on met des gens... Oh, même pas. Ah bah oui. Des étrangers ont débarqué sur nos rives. Ils ont apporté des armes à feu et à poudre. Des armes qui tuent sans honneur ni talent. Mais même ces étrangers et leurs armes peuvent conférer la puissance et la gloire à un homme. Et la victoire essuie le déshonneur. Voilà, c'est ce qu'on retiendra. La victoire essuie le déshonneur. Bah, on va se faire plaisir, on va prendre Kawasaki. Parce que apparemment ici, il y a du monde. Et on veut pas se taper le monde. Bien sûr, c'est évident que ça. Eh bah si, c'est très bien. Enfin, tu parles. On va détruire sa flotte, qu'elle m'embête pas. Pourquoi tu... Bon bah écoute, libérer mon ninja ici. Plus 10% de chance de ninja de détecter s'il échoue. Ouais, c'est pas mal ça. Après ça, s'il échoue pas, il peut pas se faire détecter. Alors, que vont-ils faire? J'aimerais bien qu'ils bougent son armée, hein, tout simplement. Voilà, parfait. Ah, par contre, ils bougent son armée en deux. Alors, on va te faire venir ici. Je veux juste voir ce qui se passe un peu. Qui c'est pas intéressant? Et Setsu, est-ce que c'est intéressant? Ouais, c'est un peu être intéressant, hein, de... Ah, je sais pas si on peut se la faire. Ils ont beaucoup d'archers, hein, quand même. Hein. Allez, on tente de saboter l'armée. Échec du sabotage. Bon. Sinon, on abandonne cette ville. Et on prend ses dessous. Hein. Non, ils sont pas en guerre contre eux, donc. Ils sont en guerre contre qui? Non, y a pas de chance qu'ils viennent m'embêter. Ah là là, ça m'arrange pas là qu'ils se baladent à deux. On est d'accord, prévision zéro, hein. Oui. Parce que là, dans un tour, je peux... J'ai ça. Donc on va construire ça.
Ouais, non, jamais, jamais ça passe. Trop de soldats, même si c'est de la... Même si c'est de la... Ils sont pas terribles, on n'est pas dans... Dans l'autre Total War où tu... comment tu peux avoir beaucoup d'armées... Enfin... Où les gros tas de, d'unités enrôlées, elles sont faibles. Par contre, toi, je t'attaque, quoi. Je peux pas attaquer, d'accord. Quand il est dans un port, je peux pas attaquer. Attends, il est où? Where is my ninja? Ninja? Ninja. Ah. Voilà. Ça peut encore rater, hein. Ça n'a pas raté. On a tué le Daimyo. Il y a un nouveau Daimyo. Après, ils sont emmerdés par deux soldats là. Enfin, deux agents. La voix de la lance. Vous voulez pas vous barrer? Parce que si je fais ça là. Bah, oui. Après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tenter. Hein, parce que. On va pas attendre des plombes que les gars se bougent. Alors, mes archers. Là, on est. On a du monde. Hop, derrière même. Ben voilà, on y va. On va mettre en x4 hein, le temps que ça avance. Oh là là, il y a beaucoup de monde. Hein. Ah oui, évidemment, ils vont vouloir se rassembler. Ah non, ils y vont. Ça c'est pas c'est ça rame un peu quand je passe en x3. Il a du mal à gérer toutes les unités. Ah non, ils m'attendent. Bon, d'accord. Pourquoi ils sont cachés? Ah, ils vont nous.
Oui, ça sert à rien de mettre des unités en défense de cavalerie, y'a pas de cave. Servir à choper les archers et eux aussi. Hein. Clairement, on va faire le ménage dans les archers. Hein. Oula, où est-ce que je suis? Ah, ils y vont là. Qu'est-ce qu'ils font? Attends, ils allaient où mon armée? La grosse armée, hein, quand même, la grosse armée. Je sens qu'on va... reprendre la sauvegarde. Hein. Non, non, faut que mes généraux y laissent là, sinon là, ils vont flancher. Quoi, c'est emmerdant au possible quoi, l'armée qui veut pas se battre. C'est quoi ça? Regardez-les là! Non mais c'est pas possible! C'est un... Non mais vous avez pas... Non, on veut pas se battre. On t'a dit, on veut juste casser ta maison. Enfin, on veut casser ta province. En fait, c'est simple. Je vais faire comme ça. Vous venez d'observer un moulin. Ici nous avons le centre et moi je suis le vent. Ça, ils sont à bout de souffle à force de faire des manœuvres quoi. Eux, ils font n'importe quoi aussi là. Enfin c'est moi qui leur ai sûrement dit de venir là mais... Non mais arrêtez. Là, allez, chopez-les là. Vous êtes pas loin. Ça y est. Non? Quoi? Cadeau, enfin. Contre, faut essayer de vous écarter.
Là, on a que des lanciers. Un petit boost au moral. Si vous arrivez à toucher ça, vous êtes les champions du monde. Elle est compliquée cette bataille. Hein. On essaye de mettre la mec sur le généraux. Le moral ne franchit pas, mais les unités sont fatiguées. La fluidité n'est pas au rendez-vous. Hein. Si vous pouviez y aller. Là quand même, ils sont loin derrière, il n'y a pas de... aucune chance de toucher les unités. Donc clairement toi tu n'y arrives pas. Ah voilà. Non, tu ne les auras pas. Vas-y, cours les mecs. Voilà, c'est bien. Allez, tirez là-dedans. Il a balancé son truc de morale. Oh, mon moral il tient et là les généraux ils vont pas kiffer. Là. Tirez-moi là-dessus là. Ça y est, ça lâche. Ça lâche, ça lâche. Le moral vient de lâcher. Hop, là on va essayer de choper les archers. Hein. Bon bah voilà, c'est gagné.
Hop, on va mettre en x3 histoire qu'on termine ça rapidement. Puis ça me paraît bien là. On a gagné. Comme quoi, les troupes entraînées, toujours. Bien plus fort que les grouillots. Allez, je pense que c'est terminé. Bon, une victoire de justesse, quand tu vois ce que j'avais à faire, c'est pas une victoire tant de justesse que ça. Alors désolé, j'ai pas beaucoup tchatché là pendant qu'on était en train de se battre. Il était un peu rude. Il y avait pas mal de choses à surveiller. Il reste encore 900 soldats. Mais je peux aller les chercher. Alors maintenant, toi, je ne veux pas que tu sois un... échec de l'assassinat, évidemment. Alors, on sauvegarde. C'est bon. Et là, est-ce qu'on prend la ville de Ki tout de suite? Non. Alors, quoique. Toi, tu... Oui, tu peux. Tu peux te tenir. Allez, on y va. Allez, on fait une sauvegarde. On va faire de la résolution auto. Non, résolution auto. C'est juste de pas perdre de soldats. Général augmente de rang, ça c'est parfait. Alors, on construit ça, on construit ça. Cachette de ninja. Ah oui d'accord, en fait on choisit, bah on veut ça nous. Hein. Que les ninjas on va pas trop en faire. L'armée, le ninja. Palefrenier, plus 1 d'attaque en mêlée pour les le général et ses gardes du corps, plus 1 à l'honneur du Daimyo. On veut ça, hein, mon honneur, il est costaud là, non? Mais je crois qu'il y a pas mal de trucs pour augmenter l'honneur. Ah, c'est là-dedans. Ouais, c'est dans son arbre de talent. Dans l'arme de talent du général, je crois. On va vérifier ça encore une fois. Il est où? Voilà, ou l'honneur du Daimyo. Si l'honneur du Daimyo est en berne, on jouera là-dessus. Ça, on veut. Ouais, voilà, on va partir là-dessus. Et voilà. Et ben, on est bien. On vient de d'annihiler l'armée, hein. Je pense que là c'est fragile. Voilà, prospérité amoindrie, il ne leur reste plus qu'une province, donc ils n'ont plus aucune armée. Ojo, toi, il y a moyen que tu sois mon copain. Espérons que cette journée... Bien, demande d'alliance. Je suis ici pour écouter. D'accord. Une fois que... Et ça va nous faire de l'argent, et oui, voilà. On va recruter un navire de commerce. T'es sûr que je puisse pas attaquer ça, hein? On est copains. Enfin, on est vite fait copains, on est copains de pognon. Ah par contre ils se font casser la gueule par eux. Peut-être que du coup je vais les attaquer les rouges. Ah non, il y a des bleus entre eux. Ce bateau d'un armée sert uniquement pour le commerce. S'il est repéré, son seul plan de bataille est la fuite. Alors,
Plus 25% de généré, plus 10% de croissance urbaine. Bah écoute, ça, comme je vous ai dit, on n'est vraiment pas dans le besoin financier. J'ai pas demandé de réparer ça. Bah si. Réparer. D'accord. Je croyais que j'avais demandé de réparer. Qu'est-ce que vous dites de Beauvou? Vous êtes là quoi. C'est Anato. Ah, Atano, c'est... Ah oui, non, c'est bon. J'ai eu peur. Pas Kyoto. C'est bon. Kyoto, c'est vraiment... Faut les garder en bon terme. Hein. Ici, on recrute ceci. Ou pas. Oui. Kawasaki qu'on veut garder hein. Comme ça. C'est elle qui rapporte beaucoup d'argent. Allez. Bon, c'est pas grave. Comme j'ai dit, c'est pas de l'argent qu'il nous faut. Là, on va juste aller prendre cette ville. Et puis après, on ira se mettre là pour gérer toutes les rébellions qui se passent. Ah, la taille des provinces du Nord, c'est pas rien. Hein. Par contre, lui, il a beaucoup, beaucoup de bateaux. Ah. Ça ne m'arrange pas. Ouais, j'irais bien construire un monastère, mais... du coup... Alliés, c'est eux. Ah oui, donc... ah oui, alliés, c'est eux. Ce qu'on va faire, j'ai bien envie de voir ce que ça peut donner. Alors, là, on est en stream. Shogun. Et c'est Choco Sabé. C'est Choco. Choco Sabé, chocolat. Hop. On va prendre la partie. Bonjour. Déclarer la guerre. C'est bon. Et non, mais c'est ça qu'il faut attaquer. Voilà. Son armée, elle est là. C'est de la merde. J'aurais pas voulu déclarer la guerre, mais écoute. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il est satisfaisant. Il est toujours bon de... Et on est en ennemi devant les mêmes. Pourquoi je peux pas faire de commerce? Ah oui, eux. Ils sont déjà en full commerce. Y a quoi là-dedans? Port militaire. Ouais, je peux construire deux et ça améliore la capacité d'exploration, augmente les gains de l'exportation de plus 120. Ouais, d'accord. C'est pas aussi fort que dans l'autre, les ports. Où les ports étaient ultra. Les ports de commerce étaient ultra forts. On est d'accord, hein, vous en foutez, vous allez pas faire une rébellion. De toute façon, vous allez faire ça.
Et là, normalement, ça va. Et ben, c'est parfait, en plus, je vois ce qui se passe. Là, ils ont une grosse armée. Hein. Mais on va pouvoir reprendre ça. Tamba. Vous m'aimez pas trop, hein. On va faire un vassal. Dites ce que vous avez à dire. Bonjour, monsieur le shogun. Est-ce que vous voulez devenir le Est-ce que le shogun qui dirige les seigneurs veut devenir le vassal d'un seigneur? C'est le tout nouveau concept que j'ai inventé. On va peut-être commencer à faire ça. Guilde de marchands, non. Carré de pique. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pas super. Et si je fais ça, armée, Samurai Nagitana, non. Ok. Eh ben, on va pouvoir augmenter au fait une ville des niveaux. Donc je pense que ça sera, je sais plus, la dernière ville qu'on vient de capturer. Ils vont sûrement attaquer hein, les autres. Je viens juste de percuter que je pense qu'ils peuvent atteindre une de mes villes là, Adano. Voilà. C'est ça. Oh. Non, attends. C'est pas fini. Ils ont pas fini leur tour. Et ils ont une belle armée, hein. C'est le Daimyo? Non. Oh, attends, toi, tu vas voir. Donc c'est Setsu qu'on va prendre. Oui, agitation acquis. Ah, là, ils sont malins. Hein. Cette armée-là, je l'aurais bien prise. Saboter l'armée. Allez. Et ben voilà, c'est parfait. Et là, je peux y aller. Allez, merde. Merde. Nous, on va se mettre là. Oh. J'avais pas vu. Je sais pas si c'était le bon call de les attaquer, mais bon, on verra. Ça se trouve, j'ai été un peu trop ambitieux. Allez, ouais. Il va m'attaquer la forteresse de qui? Après, si je lui dégarnis ses troupes du sud, il va se faire attaquer au nord. Donc, c'est pas non plus. C'est pas non plus mauvais. Ah putain, la vache, il y a vraiment toute la smala qui se ramène. Hein. Oui, bah tentative de capture. Alors. C'est lui qui augmente de rang. Voilà. Comme ça, t'es peinard. Qu'est-ce que nous avons là? Bien sûr. On répare. Alors maintenant. Nani Yoja.
saboter l'armée. Non, j'ai... Oh merde. Bon, on y va. Bon, ce sera la dernière. Si ça passe pas, on reprendra la sauvegarde où on en était. Ça m'étonnerait que ça passe. Hein. Que autant l'autre. Après, c'est que des archers. Mais bon. C'est pas du tout ce que je voulais faire quand j'ai attaqué ça. Je voulais, enfin, quand j'ai saboté, je voulais encore faire un sabotage de l'armée pour qu'elle ne puisse pas sortir. Et là, on se retrouve avec du monde. Là. Donc, l'armée que j'attaque n'est pas très puissante. C'est l'armée de renfort qu'il faudra gérer. Attendre. Ouais. Ouais. On sait. Après beaucoup de samouraïs, voilà, ça va être sensible à ça. Hein. Par où ils arrivent, par où ils arrivent, par où ils arrivent, par où ils arrivent. Par là. Par là. Oh là là, dommage. Ah, j'ai eu le méga seum. On marche, on marche, on marche. C'est eux qui viennent. Vous, par contre, vous ne marchez pas. Reculez, reculez, reculez. Go, 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 go. Go, faut les choper. C'est bon, ça c'est fait. Non, on est d'accord, c'est que du samouraï là. Mais oui. C'est quoi ça? Ça, je les avais pas vus. Je fais demi-tour. Demi-tour. Notre général court un grave danger, monseigneur. Non mais c'est bon, il va quand même se faire des samouraïs là. Hein. Voilà. Cassez-vous maintenant. Vous courez. Oh, il y a du... Et voilà, vous leur mettre la max là. C'est quoi ça? On s'éloigne. Faites-moi feu là-dessus là.
Hop, vous me chopez ceux-là. Faudrait pas qu'ils reviennent. Bon, c'est bon, je pense que ça peut être gagné. Vous me chargez là-dedans, vous. Vous me chargez là-dedans. Bon, eh ben. Non, 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 par là, par là, par là, par là, par là. Non, parce que je les ai vus là, les archers. Voilà. Stop. Ils sont où là? Allez, on vous manie un peu. Hop, bah on va les parcourir ceux-là. Hein. Clairement. Ah, ils envoient juste des archers. Juste vous, du coup. Hop. On s'enfuit. Ah, la cave est efficace hein. Alors maintenant je pense qu'on peut dire que j'ai la supériorité des archers. Voir un peu, il leur reste quoi? Il leur reste archer samouraï quand même. Archer. Ah, il leur reste quand même des archers. Hein. Je dis, ah oui, bah oui, parce qu'en fait, les archers qui ont fui de ce côté-là, j'ai pas pu les trop les poursuivre. Hop. Ah voilà, parfait. Ils viennent à moi. Hop. Alors, qu'est-ce que ça fait exactement ça? Ça permet... Elles sont plus puissantes et enflammées. Ok. Donc c'est parfait pour tuer des samouraïs. Alors c'est marrant parce que c'est illogique que les flèches de feu soient plus puissantes que... des flèches sur la pointe enflammée, des pointes normales, mais bon. Ça fait plus peur. Il aurait dû dire ça fait un malus au moral. Archer samouraï. Archer samouraï. Vous. Ouais, ça fait mal, hein. Ah mais vous, allez, vous. Non mais elle se passe bien cette bataille.
Ouais, il y a encore trop de lanciers derrière. Ouais, ça fait mal, hein. Non, vous, et vous. Vous auriez dû être caché, je comprends pas que vous êtes encore là. Pas de feu là-dessus. Et vous, allez, c'est parti, c'est votre tour. C'est bon ? Bah go, à la chauffe. Non, on est bien là. La douche. Vous, cassez-vous comme jamais, cassez-vous comme jamais. Vous me faites un joli petit bloc là. C'est quoi ça? Oui, bah allez go. Je sais que ça va. Ah ça y est, ça bouge. On recule un peu. Il y avait encore des cavaliers. Oh non, je suis en train de me faire prendre. Oh là là, j'avais pas vu toute l'armée qu'il y avait. Nous sommes fuis le champ de bataille. Quelle honte. Ah bah oui, en même temps, je vous avais dit de vous barrer. Ah, il est où le général? Ah, il y a deux généraux. Bah, vous allez vous occuper de... Vous occupez de ce général-là. Eux, ils sont pas frais, eux. Hein. C'est quoi, ça? Samouraï Katana. La technique du full samouraï. Ah, ouais. Zizon. Ouais, mais lui aussi, hein, la technique du full samouraï, tu verras l'armée qui est tombée. C'est pas clair. Là, vous chargez là-dedans. Ah, il y avait des saloperies. Là, le problème, c'est qu'il vient de me taper encore deux grosses armées solides. Ils sont combien là-dedans? Vous, en fait, j'ai rien dit, vous me tirez là-dessus. Oh, je gagne. Oh, il fuit. Bande de fuyards. Allez. Ouais, c'est déjà pas mal. Oh, il fuit tellement. Alors maintenant, j'espère que je vais réussir à retrouver ma province pour me refaire. On peut pas voir... on peut pas voir les armées ennemies. Oui. Il y avait une armée ennemie, pareil, hein, comme moi, la même. Sauf qu'elle était en renfort, du coup, je les ai pris en chemin. Comme l'armée tout à l'heure qui a attaqué la ville. Elle a essayé de rejoindre l'autre armée, et du coup, j'ai réussi à la voir par petites grappes. Bon, déjà, j'ai aucune perte. C'était eux, j'avais peur de les avoir perdus. Qui a tué? Les archers, hein. Les archers qui ont fait le taf. Alors, lui par contre... Ouais, voilà. Il avait full armée samouraï. Est-ce qu'on n'essaye pas de capturer Kawasaki encore? Franchement. Cette armée-là, elle va pas nous poser de problème. Lui, sinon, il va se refaire une armée full samouraï, ça va m'emmerder. Et là, ils sont pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Hein.
Hop. On sauvegarde et on fait une réseau auto. Si on perd des soldats, on recharge. Hop, et on se la fait nous-mêmes. Et ça sera vraiment la dernière de chez DR, hein, parce que j'ai dit que c'était la dernière. Bon, j'aurais préféré que ça soit des de l'infanterie qui reste, mais bon. Est-ce que le château est en feu? Je crois que... Ah non, c'est pas le château qui est en feu. J'avais saboté par erreur le campement. Et c'est pas ce qui nous arrange. Enfin, on s'en fout, quoi. D'ailleurs, ça nous embête parce que c'est nous qui allons devoir le réparer. Alors... Vous pouvez tous y aller. Et pourquoi c'est pas bon la technique full samouraï? Enfin, peut-être qu'en fait il faut pas du tout faire ça et que il faut en avoir que quelques-uns avec pas mal de. Avec les autres. Alors toi tu restes en arrière. Toi tu restes en. Oh, bon, de toute façon la cave reste en arrière. 26 c'est trop petit. Et du coup vous formez le groupe qui reste en arrière. Voilà. Hop, les archers, et on y va. Hop, alors une technique que j'ai remarqué, c'est que... T'as lu le pacificateur? Ça va? C'est que si on veut passer en x4, bah, il vaut mieux vous regarder le néant et le temps que votre armée se avance, ça rame pas. Ça va depuis hier? Ouais. Bah là on est sur la fin, tu vois, j'avais dit que je terminais à midi, mais là on n'a pas vu l'heure avancer, il est midi et demi. C'est la dernière bataille là. Et on vient de se taper une grosse. Juste là, juste avant une très grosse bataille contre deux armées. Du coup, on est dans... Ouais, là, c'est bien, là. On a bien... J'ai plus performe que sur, machin, que sur la fin des samouraïs. C'est une bonne question, ça. En fait, c'est vrai que comme il n'y a pas marqué le nombre de tours, mais juste en année, je te dis ça juste après. Ça fait quelle heure? Combien? Ça fait 3 heures que je joue, là. Donc non, ça m'étonnerait que je sois au tour 80. Allez, feu! Ah non, d'abord. Flèche enflammée. Non. Mais, il m'énerve. Et je vous ai dit flèche enflammée là-dessus. Mon PC est ironique. Ah bon? Et maintenant il bug pas. Ah putain, la blague. Oh non, ils ont tiré dans la porte! Les mongolos! Les mongolos! C'était pas dans la porte, il fallait tirer. La guerre de l'anneau, si tu connais. La guerre de l'anneau. Ça doit être un jeu Seigneur des Anneaux, je suppose, mais... C'est pas un jeu de stratégie. Ah si, c'est peut-être le deuxième Seigneur des Anneaux stratégie, c'est pas ça? Vous, arrivez-vous. Merde. Ah merde. Bon, j'espère que je les récupérerai après. Ça ressemble à Warcraft 3 Reign of Chaos. Ah non, ça me dit rien alors.
Non, attendez, mais c'est pas possible. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ça m'arrange pas. Ah, puis il y a eux aussi, là. Quand même, ils sont 45, hein. Alors, la guerre de l'anneau. Attends, je regarde sur le téléphone. Comme ça, je peux... La bataille, sur son nom. La guerre de l'anneau. Hop. Salut, on est là. Aussi. Shadow of War. Ah non. Attends, non, non, c'est... Le Seigneur des Anneaux, la guerre de l'anneau, c'est ça? Ah mais oui, j'y avais joué. Je sais pas si on voit sur... C'est ça? Ouais, ouais, ouais. Mais je crois que j'y ai joué. Oui, 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 j'y ai joué. Ah mais c'est un vieux jeu, ça. C'est... J'y avais joué, même, il y a la campagne, je me rappelle, c'était... Ah merde, comment ça s'appelle? À un moment, tu dois te battre au gouffre de Helm. Et en fait, comme le PC, il gère pas du tout les affrontements, en fait, je crois qu'il monte sur le côté, en fait. Genre, en fait, il y a juste une passerelle sur le côté. Ah, tu y es pas encore. Ouais, c'est rien, c'est... C'est... Par contre, si tu veux un bon jeu Seigneur des Anneaux de stratégie, et franchement, moi, je l'ai poncé à mort. C'est le... Bah, je crois que c'est le Seigneur des Anneaux. La bataille du milieu. Non. Oh, je sais plus. Parce que je crois que... Je crois que la... Sortie en 2003. Je crois que celui-là, c'était avant la sortie du film. Ou de, en tout cas, toute la partie... Tout le merchandising autour du film. La bataille pour la terre du milieu, voilà, merci Korn. Ouais, et celui-là, il est trop bien. C'est vraiment, il est vraiment trop bien. Tu joues au 2? Et bah franchement, le 2 est pas mal, mais je préfère le 1. Le 2 est marrant parce qu'il y a plus de races, forcément. Cool, on ne les a pas perdus. Mais le 1 est vraiment... En fait, il est très particulier parce que le 2, tu sais, tu peux construire un peu ce que tu veux partout. Sauf que le 1, tu as des emplacements, en fait. Et... Ouais, bah il y a pareil, dans le 1, il y a le mode de guerre de l'anneau. Je te conseille de le trouver. On peut le trouver craqué, je crois. Chut, je l'ai pas dit, hein. Je sais pas si... je crois qu'en plus... je sais même pas s'il est sur Steam. Maintenant il est gratuit. Ah ouais, carrément. Bah franchement, si tu peux jouer au 1, je te le conseille. C'est que... Il y a... Enfin, il y a un bon feeling... Il y a un bon feeling pour le... Comment... Pour la stratégie, étant donné que tu peux pas construire ce que tu veux, donc tu peux pas faire des bases énormes. Et par exemple, il y a 4 races. Hein, c'est ça, Korn, vu que je sais qu'on avait joué pas mal au jeu. Il y a les humains, donc il y a le Gondor et... comment ça s'appelle? Le Rohan. Et il y a les orques du Mordor et les orques de l'Isengard. Ouais, c'est ça. Orc, Uruk, Rohan, Gondor. Ouais, voilà, c'est ça. Et vraiment, les quatre ont vraiment leur façon de jouer qui est... par exemple, t'as le Gondor qui... Alors, le Gondor et Rohan, ils ont des murailles déjà autour de leur ville. Ce que n'ont pas les orques. Les deux... Ouais, et bah, nain, y a pas, par exemple. Tu vois, y a pas de nain dans le premier.
Et par exemple, le Gondor, c'est des unités ultra solides. Enfin, voilà, ultra solides, mais très lentes. Non, les nains, c'est dans le deuxième. Et là, dans le premier, il n'y a pas. Et les elfes, il n'y a pas non plus. Les elfes, c'est uniquement, du coup, une unité du Rohan. Parce que comme les elfes vont les aider au gouffre de Helm, en fait, on se retrouve avec les elfes du gouffre de Helm dans leur roster. Et d'ailleurs, et le Rohan, c'est par exemple très fragile unité d'infanterie. Par contre, une cavalerie qui déboîte. Bon, le Rohan, je trouve que c'est un poil pété, parce que genre ils ont un peu... En fait, ils ont fait leur roster en fonction des films. Et genre, dans le Rohan, il y a les Ents, il y a Aragorn, Gimli, Legolas. Ils ont les elfes, qui sont forts à distance comme au corps à corps. Parce qu'ils peuvent changer, ils ont la capacité de changer leurs armes. Voilà, c'est fort. Ils ont les Ents. Les Ents, c'est des armes... des armes de siège qui bougent, ultra tanky. Mais genre, vraiment, si t'as pas les flèches, par contre, les flèches de feu le mettent... les âmes d'arbre, ils mettent... Par contre, si t'as des flèches de feu, ils crament et ils se barrent en courant. Non, il y a un très bon feeling autour de ce jeu-là. Et les Uruks, par exemple, ils ont des hordes d'orques beaucoup plus tanky, mais qui coûtent assez cher pour ça. Et le Mordor, par contre, tu fais des orques par milliers, t'envoies des monstres. Voilà, les orques sont gratuits. C'est débile. Mais franchement, les quatre factions, si un jour t'as l'occasion, et vu que t'as un PC, tu m'as dit que t'avais des problèmes de PC, je pense pas que ça soit un jeu qui consomme beaucoup. Ouais, voilà, c'est ça, comme dit Korn, tu peux t'envoies tes orques, tu les envoies à l'abattoir et ça te fait des revenus. Et pour revenir sur Shogun 2, bah tu vois, là j'en suis là, donc je suis 1558, c'est quelle année? 1575. Là j'ai 8 provinces. Ah mais si, pour savoir le nombre de tours... c'est faut que je fasse sauvegarder et j'ai... je suis à 53 tours. Ah ouais, quand même. T'as quand même des frises. Ah bah, du coup, peut-être qu'il pourra... Peut-être qu'il aura un peu de mal. Ouais, je me suis bien débrouillé. Du coup, je suis parti Shosokabe. Shosokabe, hein, c'est ça. Ouais, Shosokabe. Ouais, j'ai sorti une armée full samouraï. Là, il y a une armée en défense qui sert à rusher au cas où ça gère pas. Mais c'est surtout des restes d'armée que j'avais recruté. Je sais pas si c'est le bon plan de sortir une armée full samouraï. Je suis en difficile. Là, j'ai cette petite flotte qui m'embête, qui va d'ailleurs... C'est réparé, ça? Non, c'est pas réparé. Annuler la réparation. Voilà, et dès que ça s'est réparé, j'ai d'ailleurs chopé une petite cobaya engin incendiaire. Ah, attendez... qu'est-ce que je disais? Du coup, vous pensez que c'est pas bon de faire full samouraï? Parce que on est d'accord, hein, c'est des samouraïs Naginata, hein, quand même, donc la cavalerie, elle s'en fout, je comprends pas. Howard, ça peut passer. Mais sinon, c'est quoi, en fait? C'est vers quoi qu'il faut se diriger? Merde, j'ai fait fin de tour. Bon.
S'il y a une bataille, on sauvegardera là et on arrêtera là. On arrête juste après, de toute façon. On n'ira pas plus loin que ce tour-là. Non, c'est bon. L'unité de base est ultra pétée. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Les E, là. Ceux-là. Les Ashigaru-Yari. Avec leur mur de lance. Mais oui, c'est ça. C'est ce que j'ai cru comprendre aussi. Donc, en fait, le mieux, c'est d'avoir... Ouais, le mieux, en fait, c'est d'avoir ça. Ouais, et, bah pour tenir la ligne, parce qu'ils ont quand même un moral pas terrible, mais... Ouais, il faudrait peut-être faire un mix, en fait. Peut-être que je vais faire un mix. Peut-être que je vais virer 3 Naginata. Après, je sais pas. Est-ce que les moines sont forts? Où est-ce que j'avais fait? J'en ai fait là un temple bouddhiste. C'est les plus forts mais les plus chers. Ah oui, d'accord. Et les plus durs à débloquer. Ok. Parce que par exemple, il n'y a pas une unité qui buffe le moral? Les Ikoiki, c'est une faction, hein, c'est ça? Oh, pas forcément en moine, une unité qui buffe un peu le moral. Tu sais, il y a des unités qui ont eux-mêmes un rayon d'action. Tu as le général. Ouais, mais il y en a d'autres aussi qui... parce que le général, des fois... Enfin, c'est pas mal des fois d'aller l'envoyer. Peut-être ça, les guerriers de Setsubo. Ou les héros, peut-être. Peut-être que je vais rush ça et je vais me faire des héros, c'est marrant ça. Ils me tentent bien, ils sont jolis. Je crois que c'est les héros du coup qui font un buff de morale. Bon bah écoutez, ça me paraît bien tout ça. Qu'est-ce qu'on a chopé ici? Ça sert à quoi? Améliore la vitesse de tous les arts. Oh, ça c'est fort. 10%, c'est ça que je veux. Ah ouais, tant pis pour la vie d'imposition. Hein. Je pense que les héros, ouais, ils doivent buff. Bah, de toute façon, c'est simple, il suffit de... Ah, à chaque fois, je me gourre. Il suffit de regarder. Héros Yari... non, c'est pas ça que je voulais. Ah là là, c'est le bordel. Ça fait ça. Héros Yari... Non. Ça. Par exemple. Moral excellent, leur moral, armure, rentrée, résistant aux flèches. Non, pas eux par exemple, ils font pas. Ils ont pas, non. C'est ma deuxième campagne, mais j'ai jamais terminé. Ah, ils apportent les moines Ah ouais, des debuffs de morale, ça c'est fort ça. Ah oui, plutôt que de buff le moral de mes troupes, plutôt debuff celui des ennemis, quoi. C'est vrai que c'est pas idiot. Et ouais, mais j'ai jamais... Par exemple, tu vois, je vois là qu'il y a les mangonos. Ils sont ici. Aucune idée si les mangonos, c'est bien, tu vois. Ah non, attends, c'est ça que je veux faire. Aucune idée c'est si les mangonos, ça... Est-ce que c'est fort contre les bâtiments? Est-ce que c'est fort contre les unités? Je sais pas. On découvrira ça un de ces quatre.
Là, le but, c'est de... La campagne la plus simple, c'est avec Satsuma Shimazu. Ouais. Bon, bah déjà, on est parti sur celle-là, on verra. Elle m'a l'air bien partie. Là, dans l'idéal, ça va être de construire une flotte par ici. Parce que les flottes coûtent pas si cher. Et si lui devient un peu, agressif... Déjà, je vois qu'il a ramené sa... Bon, d'accord, non, il a pas ramené d'armée. Parce qu'il m'aime pas trop, lui. C'est pas le... On se déteste pas, mais c'est pas le grand amour, quoi. Attends, mais encore. Bienvenue. Tous les tours, je lui propose un... Espérons que cette journée s'achève bien. Allez, parlez-moi de vos souhaits. Ah ouais. Tu commences avec une forge plus les comptoirs de commerce. Oui, bah oui, oui. D'ailleurs, là, j'ai... Dès que le blocus sera terminé, j'emmènerai... J'emmènerai mes navires de commerce faire du commerce. Tu as vu le clan daté au nord-ouest? Non. Non, j'ai... Ah, quoique, bah si, peut-être. Non. Non, là, j'ai pas vu. Je me suis... D'ailleurs, j'ai un peu hésité à aller prendre cette ville-là, Bizen, parce qu'elle a une forge. Mais c'est le mec qui est en gris, là, qui a tout chopé, et je voulais pas me battre contre lui. Bon, après, là, je suis en guerre contre la tache rouge-orangée, là. Le Hojo, c'est quoi? C'est ça? C'est Kyoto? Ah ouais? Ah attends. Takeda. Ah oui, bon là ils sont pas... Pas en très bonne fortune... En très bonne position. Ouais, mais là, les Gary, j'en sortirai pas. Je resterai sur du Nagi. Je sortirai deux Yahari pour les flancs. J'ai les Hojo dans la... Ah oui, eux, c'est bon, ils sont... Ils sont avec moi. Enfin, ils sont avec moi. Ils sont plutôt contents de moi. Mais ils veulent pas faire d'alliance. Mais Ah ? Parlons comme des hommes sensés de plusieurs choses et concluons un accord maintenant. Je pense que ouais, on va se la jouer comme ça. Hein. On a déjà un ennemi en commun. Le plus fort. J'ai rien à perdre. J'ai à perdre 1700 balles, mais j'espère qu'il va pas me la faire en mode. Bon, aujourd'hui on est en alliance et demain. Et voilà. Du coup, est-ce que je peux voir son territoire? Je me rappelle plus. Non, je peux pas voir son territoire. Combien de tours? 4. Là, c'est embêtant parce que... Kyoto n'est pas mon ennemi. Il n'est pas mon allié non plus. Je crois que c'est l'allié de mes ennemis. Du coup, je peux pas faire... Ah si, je peux peut-être faire juste un accès militaire. J'écouterai vos paroles, bien que je ne pense pas en tirer grand-chose d'intéressant. Ah ouais, même si j'ai des alliés. Ils peuvent pas me suivre. Quoi qu'il arrive. Si, j'ai déjà vu ça, ouais.
Ouais. Ouais, mais t'es souvent seul contre le monde hein, dans ce Total War, j'ai l'impression. Si tu décides de. Par exemple, de partir République, t'es seul contre le monde et tout. J'ai plus assez d'argent. Merde. Dommage. Ouais, tout le monde, même les alliés. Merde, bon bah j'aurais pas dû dépenser mon argent pour lui donner alors. Bon, tant pis. D'accord. Ah oui. Donc même si je deviens le shogun, ils m'en voudront à mort. Quoi qu'il arrive, faut que je pacifie par l'épée, quoi. Attends, mais en fait, je m'en fous ici s'il y a une révolte. Je pourrais largement intervenir. Oui, infidèle. Bon bah écoutez, moi je vais vous laisser, je vais aller manger. J'étais très content de streamer. On va dire au revoir à YouTube. Salut YouTube, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle campagne, sûrement demain. Enfin pour vous demain, ça ne veut pas dire grand chose. Salut YouTube.